Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Ciné des Manches. Alors, vous allez dire on est en retard et vous n'auriez pas tort, mais c'est pas de notre faute. Alors, j'ai envie de dire à chaque fois on dit ça, mais là pour le coup c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a des soucis avec la connexion de Monsieur Nio qui a un peu de mal, je dois bien vous l'avouer, et qui du coup, voilà, là on essayait de faire un truc. Je pense que son ordinateur rend l'âme, donc on est passé sur le téléphone. On s'entendait mieux, mais lui ne nous entendait pas beaucoup. Donc, on va l'accueillir tout de suite et on va voir ce qu'il en est. Attention, verdict. Monsieur Nio. C'est de la merde. Est-ce que tu nous entends? Bah oui, je vous entends, mais ça grésille, c'est insupportable. Mais t'as pas un autre casque? Et je suis en train d'essayer un autre casque. Ah. C'est quand même bizarre, cette histoire. Et évidemment, monsieur vlogueur, comment allez-vous? Mais ma foi, fort bien. Chez moi, je t'entends en HD, en haute qualité. Alors, je ne comprends pas. Il y a le Bluetooth est allumé, c'est connecté, mais je n'entends. Et ça ne va pas dans le casque. Je pas. Alors, autant je pourrais faire un truc en live chez toi, autant là. Autre chose, mets ton téléphone comme ça. Comme ça? Eh oui. Ah oui. Voilà, comme ça déjà, t'es plein pot. Ouais, mais c'est pareil pour moi, le son. Ah oui, non, le son, non. L'image est impeccable. Le son, en revanche, pas. L'image est de toute beauté. Et t'as pas des petites oreillettes, des petits écouteurs? J'essaye, j'ai aucun branchement sur mon truc. Il y a plus de. Ça se branche pas, en fait. Ah, il n'y a plus trop d'écouteurs, d'accord. Je peux faire qu'avec le Bluetooth. Ah. T'as activé le Bluetooth, quoi. Oui, non, mais ça fonctionne. Mais c'est marqué connecté avec ce. J'ai changé de casque, c'est pareil, mais ça ne fonctionne pas. Là, monsieur Nio, nos compétences. Ouais, je crois que ça s'appelle le ciné des manches. C'est aussi parce qu'on est un peu des manches. Hein. Ah, mais... Si tout allait nickel, ce serait pas vraiment pareil, en fait. Hein, faut dire ce qui est. Alors, ce soir, si tout se passe bien. Et vous avez pu remarquer qu'on arrive en retard, ça déconne sec. Alors, M. Nio étant pour parler hein, avec lui-même pour changer d'ordinateur, apparemment, ce serait ça le problème, hein, très clairement. C'est-à-dire que quand il nous en a parlé en off, que son ordinateur, c'est pire que ça, c'est une merde à fond de balle. Et donc, si tout se passe bien, qu'est-ce qu'on a prévu ce soir? On a prévu... j'ai envie de dire la thématique, le thème de la soirée, puisqu'il s'agit, mon cher vlogueur, de le cinéma français, et c'est pas rien. Ah, nouvelle intervention de monsieur Nio. Non, mais Nio. Désolé, ça grésille à mort et le son n'arrive pas dans mes écoutilles, donc on sait rien. Monsieur Nio en direct de Singapour, comme vous pouvez le voir. Et monsieur... Non, mais pas... Et monsieur Nio, est-ce que vous avez essayé de le faire sans écouteurs, avec le son qui sort de l'ordi? Mais c'est insupportable, ça grésille. Là, je suis sur mon téléphone. Ah, le son qui sort du téléphone. Dès que vous parlez, c'est... Non, mais... Donc, pendant une heure et demie, ça, c'est normal. Compliqué. Quand je parle, ça fait toujours... Est-ce que tu m'entends, Antoine? Ah, mais oui, je t'entends, mais je t'entends avec ce grésillement à la con. Est-ce qu'il y aurait moyen d'essayer sans ton casque et avec le son qui sort du téléphone, voir ce que ça donne? C'est pareil. C'est le cas, là. C'est pareil. C'est le son du téléphone qui fait ronf, 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 ronf. Ouais. Ah. Eh oui. Eh ouais, c'est dégueulasse. J'ai craché sur mon téléphone en faisant. Ça va être compliqué du coup. Ouais, pour moi, ça va être chaud, ouais. Je suis désolé, Antoine. Écoutez, désolé. Écoutez, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir du coup, parce qu'il va falloir que je me rachète un engin. Désolé pour toi du coup, parce que vraiment, ça me fout en l'air. Ouais, bah écoute, c'est comme ça. Après, je comprends pas pourquoi ça déconne. Je ne comprends pas. Parce que là, pour le coup, l'image est nickel et ton son est nickel aussi. Hein. T'as pas de décalage, t'as rien. Franchement, c'est ça qui est fou. De notre côté, c'est vraiment, vraiment très très bien. Bah écoutez, on peut rester comme ça un peu, mais je pense que ça va vite être chiant, quoi. Ah bah pour toi, oui, c'est pas agréable. Pour toi, c'est pas agréable, c'est sûr. Bon, écoutez, non, on va pour nous, faire comme magnifique ça. Magnifique contre-plongée de ta personne, c'est très très beau. Ouais, super sympa. écoutez, je ne sais pas pourquoi ça fait ce bruit, j'en sais rien. Est-ce qu'on essaie? C'est toi qui dis, Antoine. Ouais, on va essayer comme ça. Je vais essayer de. On va essayer de ne pas hurler non plus, du coup.
Non, mais ça grésille même quand vous parlez doucement, donc. Je suis désolé. En tout cas, on dit bonjour au chat. Salut Mystic Angel, salut Wally, et bonsoir Xander. Bonsoir à vous, je t'en prie. Donc, comme je le disais, et comme à l'accoutumée, on va avoir ce soir. Comment que ça s'appelle donc, sur la thématique des films qu'on a proposés, des films dont on voulait parler. Et puis ensuite, on a, comme d'habitude, fait des recos, ce qu'on appelle la reco-recommandée, c'est-à-dire qu'on s'est recommandé des choses et on va en parler, voir si ça marchait, si ça marche encore, si ça marche plus, des fois, pour certains, on ne sait pas. Bref, on va être sur de la review de reco. Et je trouve ça assez rigolo de faire ça. Et puis, pareil, une fois n'est pas coutume, on va aller sur un petit jeu à la con. Ce soir, c'est moi qui s'occupe. Alors, j'avais inauguré ça dans le... C'était dans quoi ? C'était dans un SNGL, il n'y a pas si longtemps, puisqu'on avait reçu DeviantProd, avec lequel on avait déjà fait l'interro, avec toi d'ailleurs, Eddy, puisque tu étais venu sur le SNGL. Et on n'allait pas refaire l'interro, donc on avait inauguré le fait de faire un K-out. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Normalement, tu as téléchargé du coup l'appli, si tu ne l'avais pas déjà. Tu as téléchargé l'appli ? K-out, oui, il me semble que j'en ai déjà fait. De toute façon, j'ai déjà joué. Donc. Mais est-ce que tu as téléchargé l'appli sur ton téléphone ? Oui. Attends, impeccable. Ah non, je l'ai enlevé, mais je peux la télécharger vite fait. Eh ben, je t'en prie. Et j'incite tous ceux qui sont dans le chat, s'ils veulent, à télécharger du coup cette application, puisqu'il y a un moment, il y aura une petite dizaine de questions sur donc le cinéma en général, pas du tout le cinéma français en l'occurrence. Et donc, ce sera le moment de partager un moment convivial entre copains, mais aussi avec vous, puisque vous aurez le code et vous pourrez du coup nous rejoindre dans le quiz. Et du coup, on pourra tous se quizer entre nous. Ce sera très très cool. Et bonsoir à toi, mon jeune ami, mon jeune et faible monsieur Webed. Comment allez-vous, Monsieur Nio, Oukajo et Ajax? Monsieur Nio, il va vous laisser. C'est insupportable. J'ai l'impression que c'est R2D2 qui parle. Je suis désolé, vraiment. Non, bah tant pis, c'est pas grave. C'est comme ça. Mais encore une fois, réfléchis, si tu veux qu'on regarde à booster un peu ton ordi ou quoi, n'hésite pas. Hein. Non, mais là, pour lui, je sais pas, ça déconne. Il est plus. Ça va pas du tout. C'est con, tu m'aurais dit, il y a deux semaines, j'étais au Vatican, j'aurais posé un cierge. Ouais, non, mais là, non, faut le changer, quoi. Il est bon à foutre en l'air. Je suis désolé. Voilà, mais écoutez, je sais. Et puis, je sais pas pourquoi le téléphone, il fait chier, là. Enfin, je sais pas pourquoi ça grésille comme ça, c'est vraiment supportable. Bah, ou alors, essaye de, d'éteindre le tel et puis de le rallumer, peut-être. On sait jamais. Alors, c'est quoi comme téléphone ? Ça, c'est un Samsung. Essaye de changer de navigateur. Je vais voir. Je vais essayer. Ok. Je vais regarder. Mais en même temps, il m'oblige à aller sur Chrome quand je vais sur le lien. Parce que moi, je sais que sur iPhone avec Safari, ça ne fonctionnait pas. Il a fallu que je télécharge Chrome. Donc Safari, impossible de faire fonctionner StreamYard. Par contre, avec Chrome, ça fonctionnait. Donc peut-être. Mais là, je suis sur Chrome. Ouais, mais du coup, télécharge Mozilla. Mozilla, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ok, je vais essayer. Mais éteins ton téléphone et rallume-le avant. On ne sait jamais. Ah ok. Et en fait, Monsieur Anto, en fait, c'est effectivement son image et son son sont nickel pour le coup. Et parce que, Monsieur Anto sait de quoi il parle, j'ai envie de dire. En question aux connexions de merde, il y connaît quelque chose quand même. Ah, c'est un peu le spécialiste. Hein. C'est le spécialiste. Oui, c'est en connexion de merde. C'est-à-dire que Anto est à la connexion de merde, ce que DeviantProd est au comics. Tout à fait. Et du coup, donc, ce soir, thématique à la française. On va essayer de commencer. J'espère que c'est pas lui le premier. Je suis en train de me poser la question. On verra bien. Et donc, c'est juste que lui, il a notre retour qui est dégueulasse. En fait, ça grésille à mort. Je tiens à vous dire. Ah et non, c'est juste une. Voilà, c'est juste Léna qui me dit que son montage avance carrément bien. Eh bien, c'était lui qui commençait. Évidemment que c'était lui, franchement. Évidemment. C'est pas drôle. Évidemment. Donc, on va commencer, si tu le veux bien, mon cher, avec toi. Yes. En même temps, si je veux commencer avec quelqu'un d'autre que moi, il n'y a pas trop de solutions. Il n'y a plus beaucoup d'alternatives. Hein. Sur la thématique du film français, c'est toi qui vas nous parler du Clan des Siciliens. Yes. Et je tiens à dire, avant que tu commences mon petit lapino, que je ne l'avais pas vu pour ma part, et donc j'ai pu le regarder pour l'occasion. Et donc, j'aurais forcément des choses à dire aussi. Mais je t'en prie, vas-y,
Fenouil. Eh ben, alors moi c'est pareil, toi, c'est un film que j'ai découvert assez tardivement. J'ai découvert ça moi pendant le, si ma mémoire est bonne, pendant le confinement, Okay. lorsque Monsieur Ennio Morricone s'en est allé. Je crois que de mémoire, c'était pendant le confinement, le premier confinement. Et j'avais eu envie comme ça de me refaire quelques films. Toi, je me disais, c'est quand même un compositeur de génie. Et voilà, on connaît tous des dizaines de films voilà, auxquels il a participé, notamment les films avec Sergio Leone. Et je me souvenais, j'avais en tête le professionnel que j'avais regardé à la même époque. Et je m'étais dit, tiens, il a fait la musique du film Le Clan des Siciliens et je ne l'ai jamais vu. Et j'ai envie de le faire. Et du coup, moi, personnellement, ça a été une vraie tartasse, comme on dit dans le jargon. Ouais. Un vrai film de gangster, de voyou, où ça voyage, ça part dans tous les sens, c'est profond, c'est. On voit à l'affiche, c'est Jean Gabin, Lino Ventura, Alain Delon. C'est du vrai. Enfin, alors, je veux pas trop rentrer dans le détail pour dire ce que ça raconte le film. Alain Delon, c'est un jeune voilà, qui veut intégrer le clan des Siciliens, donc la famille, je ne me rappelle plus, parce que je ne l'ai pas revu pour l'occasion. Je me souviens plus des noms non plus. Mais donc il veut intégrer la famille donc dont Jean Gabin est le chef de C'est famille le un petit chef peu de le famille, parrain. Et je me suis posé la question quand ce film-là quand j'ai fini de voir ce film-là, je me suis dit mais pourquoi pardonnez mon langage, bordel de merde, on fait plus des films comme ça. ah, c'est clair. C'est-à-dire que le film en lui-même, il a pas dû coûter des milliards de dollars. Non, c'est sûr. Et je me suis demandé pour qu'est-ce qu'il y a de compliqué à faire un film aussi bien construit, où ça voyage, tu vois, ça part en Sicile, ça part aux États-Unis, ça. Le film, mine de rien, juste dans son ambiance, le film est audacieux, le film est ambitieux. Tu as Ennio Morricone, tu t'imagines, tu fais un film comme ça, tu prends trois énormes acteurs. Alors, des acteurs qui ont la même aura en France, et je sais pas pour manquer de respect à qui que ce soit, mais. Hormis Vincent Cassel, tu vois, qui a un petit peu. Je vois mal François Civil, tu vois, ou Pierre Niney prendre la place d'un Alain Ouais, Delon. je suis assez d'accord. Toi, je veux dire, même si c'est des très, très, très bons comédiens, ce n'est pas des monstres sacrés, à mon sens, comme Jean Gabin et Lino Ventura, toi. Mais tu t'imagines un film comme ça, tu prends, je sais pas, moi, je te dis une connerie, mais. John Williams qui fait la musique pour un film français, un Ah, truc un c'est peu clair. ambitieux où ça, putain, ça aurait de la gueule. Au lieu de ça, on se tape des films des fois beaucoup moins ambitieux, ambitieux. Si bon, bien construit, c'est un film qui est incroyable par ce qu'il raconte, comment il le raconte. De mémoire, c'est comment Jean Gabin, c'est le policier qui cherche à les coincer. Non, Lino Ventura. Ventura. Ouais, tout à fait. L'aventura, voilà, ce film est juste incroyable. Et je ne sais pas ce que tu. Bah, alors, moi déjà, donc je l'avais jamais vu. Quand j'ai mis en route et que j'ai vu que c'était Henri Verneuil, Regardez. je me suis dit, ou punaise, parce que pour moi, Henri Verneuil, c'est vraiment l'américano-français, quoi. C'est-à-dire que je trouve que le mec vraiment réalise comme un américain. Oui, mais C'est-à-dire. c'est pour ça que je te dis ça, en fait. Le film, quand tu le vois, tu as l'impression de voir un film Ah de ouais. Scorsese un peu. Hein. Ah ouais. Ah mais complètement, complètement. Et pour le coup, moi, ça m'a fait penser à une autre expérience que j'ai eue. Alors, pour le coup, pas pendant le confinement, mais pendant. En fait, j'ai eu une pneumonie, et où clairement, j'ai cru que j'allais crever. Et j'étais vraiment au fond de mon canapé, machin, et je me suis rematé, me demande pas pourquoi, j'en sais rien, mais je me suis rematé des films de Belmondo. Et Oui. du coup, je me suis notamment retapé Peur sur la ville. Incroyable. Et d'Henri Verneuil, musique d'Ennio Morricone. Impeccable. Ennio Morricone. Ennio Morricone, pardon. Et on réaccueille Monsieur Gnaud. Monsieur Gnaud, vous m'entendez? Le vrai Ennio. Et écoutez, j'ai une excellente nouvelle puisque ça marche magnifiquement. J'ai suivi vos conseils et la lettre.
Ah, ah, ah. Ah, c'est le Messi, Tu n'as jamais été aussi net et avec un son si impeccable. Je vais rester comme ça, je vais pas me faire chier à foutre 1000 balles dans un PC. Hein, c'est incroyable. Et du coup, je disais donc sur le clan des Siciliens, effectivement, il y a cette patte, je trouve, cinéma américain qui est folle. Moi, Peur sur la ville, je me le remets régulièrement. J'ai trouvé ça. Retire ton micro. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Enfin, je le trouve vraiment très bon. Ça fait notamment penser à de l'inspecteur Harry pour Peur sur la ville. Vraiment, je trouve qu'il a rien à envier à ces films-là, quoi. Et le clan des Siciliens, moi, je suis vraiment pas Alain Delon. J'ai vraiment beaucoup de mal avec son jeu. Je l'aime beaucoup dans Le Guépard, pour le coup. Mais sinon, j'ai beaucoup de mal. Je trouve qu'il surjoue à mort et je trouve que au niveau de l'acting, c'est pas fou. Et je trouve que c'est pas lui rendre service que de le mettre à côté de deux mecs comme Jean Gabin et Lino Ventura. Je trouve qu'il est clairement en dessous. Il reste beau, parce qu'il faut pas se cacher aussi qu'on le prend aussi pour son physique, très clairement. Et puis, voilà quoi. Enfin, ça marche, c'est-à-dire que ça fonctionne. Notamment, sans révéler plus de choses que ça dans le film, le fait d'attirer la gente féminine lui attire quelques soucis. Et forcément qu'il fallait aussi quelqu'un qui dégage physiquement. Lino Ventura est au cordeau. Il est impeccable. J'ai été très étonné de voir un Gabin parlant. On est bien loin des films de Carnet, tu vois. Parlant l'italien, parlant l'anglais, enfin l'américain. Tu sens que au niveau du grammage alcoolique, on est plus sur la fin que sur le début avec un Gabin quand même. Au teint de sa peau, tu sens qu'il a pas bu que de l'eau toutes ces années. Ouais. Mais il est extraordinaire. Effectivement, comme tu le disais, on voyage, on y croit vachement. J'ai été étonné justement qu'il y ait cette ampleur, parce qu'à un moment donné, et encore une fois, sans trop, enfin, de toute façon, on le voit en haut à droite, il y a un petit détournement d'avion, et c'est hallucinant de simplicité, mais en même temps, c'était simple à cette époque-là. Non pas que je le regrette, hein, c'est juste qu'effectivement ça peut paraître bizarre en fait quand on le regarde aujourd'hui de voir avec quelle simplicité ils arrivent à détourner l'avion avec toutes les restrictions qu'on connaît aujourd'hui et notamment suite aux attentats du 11 septembre. Et vraiment c'est fou de ce point de vue-là. Et puis merde, une grosse machine quand même d'avoir tout l'intérieur d'un avion, enfin les plans même de FX quand ils atterrissent. Enfin, il y a vraiment plein de trucs qui sont assez hyper ambitieux comme film. Enfin, moi, je trouve moi que c'est un film qui est hyper ambitieux et que j'ai dit bon, moi je trouve dommage en fait qu'on prenne pas exemple. Et je pense que ce que je suis en train de dire, je pense que je vais le redire plusieurs fois dans la soirée. Mais je trouve que c'est dommage en fait que plutôt que de se taper des remakes de pièces de théâtre. Ou que ça fonctionne bien en théâtre, tu vois, où on fait des huis clos, le prénom, le jeu avec le téléphone, tout ça. Pourquoi on fait pas des remakes de ces films-là et puis qu'on ne tente pas, bordel, je veux dire, c'est pas. Mais c'est vrai que c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que faire un remake aujourd'hui avec ce film-là, tu mets qui à la place? Oui, parce derrière, tu tournes pas de la comparaison très rapidement, quoi. Ouais, mais rien, Mystic Angel parle de Gérard Lanvin, mais complètement. C'est pas faux, complètement, c'est vrai. Gérard Lanvin qui a fait ses preuves dans les films de mafieux comme c'était Les Lyonnais. Le Lyonnais, il était excellent. Incroyable. Moi, j'aime bien. Ouais. Ouais, et puis, et j'aime bien aussi ce fait que donc il y a une évasion en plus au début avec Delon qui marche vachement bien. Il y a du suspense. Enfin, franchement, il y a de tout. Tout est impeccable. Il y a ce qu'on aime beaucoup dans ce genre de film-là. Et nous trois, je sais qu'on kiffe ça. L'honneur du gangster. Qui est exceptionnel, c'est-à-dire que le mec sait que ça va lui coûter des trucs, mais il y va quand même, quoi. Et il y a quelque chose qui est. Et puis Ventura, ce que moi j'aime beaucoup dans ce rôle-là, c'est que justement, il reste à sa place. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'aller voler la vedette aux autres. Il a, à mon avis, très peu de temps d'écran, et pourtant, il éclate de sa présence. Et non, ça marche vachement bien, quoi. Mais encore une fois, j'ai pas été subjugué, moi, par le rôle d'Alain Delon, et je trouve qu'il est écrasé par la présence des deux autres, quoi. Mais... Alors, Gabin écrase.
Ah, ça c'est. Voilà. C'est de toute façon, oui, dès qu'il est dans la pièce, tu le vois sur l'image, où il a le chapeau et les lunettes, voilà, c'est le mec. Et d'ailleurs, j'étais très étonné parce qu'en regardant pour avoir des visuels pour ce soir, en fait, j'ai vu qu'il y avait des images promotionnelles. C'est-à-dire que sur, par exemple, sur certaines jaquettes de DVD, notamment, et tu les vois à trois avec le flingue, et en fait, tu les vois jamais comme ça dans le film. Donc, ils ont fait des photos promotionnelles pour le truc, quoi. Et je trouve ça ouf à l'époque. C'est-à-dire qu'ils avaient évidemment bien conscience des monstres sacrés qu'ils étaient déjà à l'époque. Et du coup, de communiquer sur le fait qu'on réunisse ces trois-là. Et du coup, ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de « Oh, ça va être génial, on va réunir ces trois acteurs-là ou ces deux acteurs-là. » Tu vois, il n'y a pas de truc comme ça. Il y a des acteurs qui sortent du lot. Tu citais Vincent Cassel, que même François Civil ou Niné dans d'autres sphères. Mais toi, François Civil ou Pierre Niné dans le rôle d'Alain Delon, oui, ça peut le faire. Mmh. Tu sais, le beau gosse un petit peu, le jeune premier comme ça, ça pourrait largement le faire. Mais non, moi j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai passé un super moment. Ah, puis gros son. Et pour autant, comme tu dis, ouais, non, mais carrément, c'est incroyable. Et comme tu dis, c'est pourtant un film qui, à mon avis, à part les plans de la dernière séquence, n'a pas coûté hyper cher. Je me trompe peut-être, hein, mais à part le cachet des acteurs. J'essaie de regarder vite fait. Et toi, Nio, tu connaissais, tu as vu ? Alors, je connais évidemment le film de réputation, mais vous allez vous moquer, je ne l'ai pas vu celui-ci. Moi, je l'ai vu pour l'occasion, je ne l'avais jamais vu non plus, donc je me moque. Alors, mais c'est un film qu'il faut voir. Mais je crois que je l'ai en DVD, en plus, qu'une fois, j'avais acheté un coffret Jean Gabin, et il y en avait 4 ou 5, et il était dedans. Et je l'avais pris parce que je voulais voir le cap se rebiffe. Que j'ai pas et, vu. J'adore. Et le horse aussi, qui est la horse plutôt, qui est excellent. Le cap se rebiffe, c'est un de mes préférés, moi, perso. Mais je crois que je vais me faire une petite session. Et le Pacha, que j'adore. Le Pacha, c'est un de mes préférés. Ouais. Ok, bon, déjà. Mais moi, tu vois, le cave se rebiffe, le cri du cormoran le soir au-dessus des jonques, les tontons flingueurs, faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, tous ces films-là, c'est carrément, voilà, pour moi, c'est là. Voilà. Moi, je vais me faire une petite session Jean Gabin, je crois. Moi, c'est plus, en fait, quand je faisais du cinéma, on étudie beaucoup plus ceux de Marcel Carnet, tu vois. L'avant-guerre, quoi. Il y a une scission dans la carrière de Gabin, c'est l'avant-guerre et l'après-guerre. Et du coup, pareil, c'est quoi le film, tu sais, où on voit, on n'arrête pas de voir le même, et puis la séquence où il dit « Ma bonne Suzanne » C'est pas le chat, ça ? T'es resté comme je l'espérais, mais tu m'emmerdes affectueusement, amoureusement, mais tu m'emmerdes. Mais tu m'emmerdes. J'adore ça. Et c'est dans quel film, celui-là ? Pas le chat. Le chat. C'est peut-être, ouais, le chat. C'est peut-être le chat. Simone Signoret, non ? C'est ça. Regarde. Et en tout cas, celui-là, oui, il m'a intéressé. Mais en tout cas, c'était une super découverte et vraiment, ça m'a vraiment donné envie de revoir du gamin et du gamin de cette époque-là, où pour le coup, mais même lui a conscience de ce qu'il est devenu, tu vois. Et ouais, hâte vraiment de voir ça. Monsieur Nio, tu étais le premier sur la liste, je propose de... Désolé, hein. Ben non, il n'y a pas de problème. D'enfiler les gants. Toi, c'était coup de tête ? Eh oui, coup de tête, magnifique film de... Cano sorti en 1979. J'imagine que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent ont sûrement vu ce film. C'est un film tout à fait culte, hein, avec l'inoubliable Patrick Devers qui nous a quitté trop tôt. Ouais, c'est un film que j'adore. Je crois qu'il est dans mon top 5 ou au moins dans mon top 10 de mes films préférés, sans problème. C'est mythique, c'est drôle. C'est Patrick Devers, il est extraordinaire dans ce film. Que dire ? Je peux faire un petit pitch si vous... Vas-y. Alors, de quoi ça parle ? En fait, le personnage de Devers s'appelle François Perrin. C'est un mec un petit peu minable qui vit dans un bled minable qui s'appelle Trinquant, qui est plus ou moins un pastiche de la ville d'Auxerre, en Bourgogne. Et donc, ce François Perrin, il joue au foot dans l'équipe 2 de Trinquant. Et il est aussi ouvrier dans l'usine qui est gérée par le président du club de foot. Donc, ça fait un peu écho à ce foot des années 70 où tu avais dans les bleds un président de club qui était aussi
chef de la grosse boîte de la ville. Donc ça, il y a des centaines de villes qu'on connaît ça en France dans les années 70. Et donc, ce François Perrin, il a le malheur à l'entraînement de bousculer le joueur majeur de l'équipe première. Du coup, il se fait exclure du club de foot de Trinquant. Et malheureusement pour lui, il se fait exclure également, enfin, licencié de l'usine où il travaille. C'est dommage. Donc là, il pète un peu un câble, il fait un peu n'importe quoi. Il essaye de retrouver sa compagne qui est déjà en couple. Mais ça se passe pas très bien, pas trop spoiler. Et malheureusement pour lui, il va être accusé de viol à tort, donc il va être mis en prison. Et en parallèle à ça, l'équipe de foot de Trinquant gagne des matchs de Coupe de France et se retrouve à jouer un 32e de finale ou je ne sais plus, peu importe. Et il se trouve que son joueur majeur est blessé, donc il leur faut un attaquant. Et du coup, bah, ils vont aller chercher le pauvre François Perrin, joué par Patrick Devers, qui est en prison pour un viol qu'il n'a pas commis. Mais qui a été manigancé par le club, c'est-à-dire on a tout fait pour l'accuser lui, enfin, c'était toute une histoire. Et donc il se retrouve à aller le chercher en prison pour jouer ce match de 32e de finale, et il se trouve que il va mettre deux buts, et du coup il va être le héros de tout le bled de Trinquant. Et lui, en fait, il va jouer avec ça, en fait, il va dire oui, bah, je veux que vous me donniez ci, je veux que vous me donniez ça. Et il va se passer plein de choses. Et c'est un super film. Alors, je ne sais pas très bien raconté, mais je le connais tellement par cœur que je ne sais même pas par où commencer. Et tout est drôle, quoi. Tout est drôle. Les acteurs sont formidables. Il y a un cast excellent. Il y a Jean Bouise qui joue le président. Il y a aussi Ouais. Marcel Aumont. Il y a Robert d'Alban. Il y a tout un tas d'acteurs. Génial. Et la musique est de Pierre Bachelet. Elle est très, très bien aussi, ouais. Ah, je savais pas ça, Pierre Machelet. Ouais, Pierre Bachelet, ouais, qui fait la musique. Et d'ailleurs, le film a été, au niveau sportif, au niveau football, il a été coordonné par Giroud, Ouais. entre J'ai vu autres. ça. Ouais, et les maillots de foot qu'il porte dans le film, c'est des maillots d'Auxerre à l'époque. Et Ah il joue ouais. à la Baie des Champs, qui est le stade d'Auxerre. Alors pour le coup, moi je l'avais jamais vu et je l'ai vu pour l'occasion. C'est cool parce que pour le coup, il y a vraiment eu plein de films de ce soir où que j'avais jamais vu et que du coup, c'était vraiment l'occasion de m'y plonger et d'avoir un retour. Toi, tu connaissais Eddie? Ouais, moi je oui, ça fait partie des films qu'on a vus à la maison quand j'étais petit. Et t'aimes bien? Ah oui, moi ça j'aimais bien, ouais. Ouais. Alors moi, Patrick Devers, je suis pas, tu vois, je tombe Alors, pas en. Ah oui, vas-y, pardon. non, mais Vas-y, je t'en je prie. me permets juste de... Moi c'est pareil. En règle générale, Patrick Devers, c'est pas ma tasse de thé. Bah, moi, c'est pas que c'est pas ma tasse de thé, c'est que je le trouve. Alors, et désolé si je heurte certains, mais je trouve pas exceptionnel. Je trouve pas ça fou, quoi. Ça me transcende pas. Je trouve pas que voilà. C'est très bien. C'est, enfin, voilà. Et c'est d'ailleurs à l'image de ce que je pense du film. C'est-à-dire que j'ai pas passé un mauvais moment. Est-ce que je le reverrai? Non. J'ai trouvé ça sympatoche, mais j'ai pas trouvé ça foufou, quoi. Et c'est un peu ce genre de film où, tout le monde connaît, tout le monde en dit du bien, tout le monde trouve que c'est excellent. Et quand tu le vois, il y a peut-être aussi le fait que tout le monde dit que c'est génial et que quand tu y vas, tu trouves pas ça, tu vois. Et du coup, ouais, c'est sympa, mais bon, j'ai pas. Oui, Alors, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. par contre, c'est un. Après. Par contre, attends. Par contre, c'est d'une un film qui correspond tout à fait à son époque. Et le côté transgressif de ce qu'était aussi Patrick Devers et à dénoncer des choses et à comment à jouer un certain type de rôle et ça c'est la première chose et la deuxième chose il n'empêche que ça dénonce des trucs sous un faux air de film sympatoche où on se marre et puis voilà ça dénonce des choses c'est-à-dire clairement des mecs qui sont à l'usine et où il y a un mec qui s'occupe de l'usine mais ça c'était encore une fois plus à cette époque-là, ça l'est peut-être moins maintenant, j'en sais rien, mais en tout cas où des mecs étaient un peu les patrons d'un bled parce que bah ils foutaient du pognon dans le foot, du pognon dans machin et du coup tu faisais une connerie dans un truc, ça se répercutait dans tous.
ou tu es accusé à tort, ou on fait ce qu'on veut de toi, et on peut t'amener au firmament comme on peut t'amener vraiment plus bas que terre, ça dénonce quelque chose, et en ça, c'est hyper intéressant. Pour autant, voilà, c'est pas... Bon, je suis content de l'avoir vu, mais voilà. C'est vrai que quand on n'est pas fan déjà de Patrick Devers, il fait quasiment tout le film, tu vois. Mmh. Et par son tempérament, par sa façon d'être, c'est tout à fait Patrick Devers dans ce film. Enfin, moi, complètement. Bon, à contrario de vous, je suis fan de Patrick Devers. Enfin, pour moi, c'est un acteur génial, c'est un acteur unique. Je ne dis pas que c'est le meilleur, je dis qu'il est unique. C'est-à-dire, dans tous les films qu'il a pu faire, je les ai tous vus ou quasiment tous vus, c'est une façon de jouer. Enfin, il est... Il fait moi, je peux parler de Delon, il peut se faire remplacer par Ninet ou qui tu veux. Devers, on n'a jamais vu d'acteur comme lui, jamais quoi. Ouais, bah moi, je trouve qu'il fait partie des plus investis. Oui, voilà. Bah, complètement. Tu sens qu'il est habité et que il est investi par ce qu'il fait. J'en sais rien, je connais pas le personnage, je connais pas le, mais j'ai, en tout cas, il me donne l'impression d'un gars qui joue comme il vit, comme il respire, d'un gars qui, c'est pas qu'il est là, c'est que. Ouais. Il donne tout pour le rôle, quoi. Vraiment. Ouais. Et c'est ça qui est louable. Alors ça, carrément. Ça, pour le coup, on ne peut pas lui reprocher ça. Ça, c'est clair et net. Et tu voulais ajouter quelque chose, Eddy ? Non, moi, j'allais dire, c'est en fait, le truc, c'est en fait, il y a un film que j'aime pas du tout. C'était Les Valseuses, parce qu'il y a plein de gens qui aiment bien, avec Gérard Depardieu. Mais j'aime pas du tout. Et en fait, c'est justement, je pense que c'est ça en fait qui fait que je suis pas le plus grand fan de Patrick Devers. En fait. Et par contre, il y en a un autre avec Devers que comment ça s'appelle que pour le coup j'ai pas vu non plus et que j'aimerais bien voir. Série Noire. Ah, Série Noire. Mais Série Noire, c'est vraiment un film très particulier. Ah ouais. C'est un film comme son nom l'indique qui est noir. Et qui est assez dur, qui est violent, qui est pareil. Là, tu parlais d'investissement de Devers. Dans celui-là, je crois qu'il n'y a aucun film où il s'est investi autant, quoi, physiquement, mentalement. D'accord. Alors, par contre, si je peux vous donner un conseil, si vous n'aimez pas trop Patrick Devers, mais si vous voulez voir un film qui pourrait être susceptible de vous plaire, puisque vous aimez Lino Ventura comme moi, bien évidemment, ce serait Adieu Poulet. D'accord. Okay. Regardez ce film avec Ventura et je pense que vous aurez peut-être Lino Ventura aspire Devers en fait. Ok. Ça, regardez l'occasion et voilà, c'est un très bon polar. Et c'est avec Ventura et Patrick Devers. Donc regardez-le. Mais tu vois, en tout cas de mon côté, il n'y a pas de truc genre je l'aime pas, je veux pas regarder ce qu'il fait. Ouais. C'est juste, je trouve pas ça. Je me ferai pas toute la filmo de Devers impérativement parce que je veux voir toute la filmo de Devers. Tu vois. Moi, je sais que j'ai un peu ce problème-là. Ben, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est avec Delon, quoi. Moi, Delon, je. Mais ouais, moi, je. Pas Delon, je ne le. Je comprends. C'est physique, il m'agace, il m'énerve. J'aime pas son jeu. Donc, comme tu disais tout à l'heure, je suis absolument d'accord. C'est pour moi, ce mec a toujours joué de la même manière. C'est complètement ça. Il est pas drôle, il a rien. Souvent, on la compare avec Belmondo, mais ça n'a tellement rien à voir. Ah, mais je suis complètement d'accord. C'est tout faire, mais il savait tout faire. Je suis complètement d'accord. Enfin, bref. On va passer à moi. Alors, c'est un petit peu particulier parce que je devais parler d'un film et finalement, je vous le dis tout de suite, je vais parler d'un autre. Je vais juste. J'ai triché. Je suis désolé, j'ai triché. Mais du coup, je vais expliquer pourquoi. Et je veux juste dire un petit mot sur le premier film, et puis je vais enchaîner avec le deuxième. Je suis désolé, j'ai dérogé à la règle. Je voulais ce soir vous parler de Hill. On essaie toujours de trouver des films, évidemment. On ne va pas vous parler des films auxquels on pense direct, sinon ça n'a aucun sens. C'est juste nous faire plaisir, et on parle des trucs un peu convenus et communs, donc on essaie toujours de trouver quelque chose. Moi, je voulais au départ parler de ce film-là parce que c'est donc un film français qui est, alors ça, c'est pas très vrai, inspiré de faits réels, c'est plutôt inspiré d'une légende urbaine d'un pays de l'Est, dont je vous révèle pas la teneur. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qui dure, je crois, 1h30 ou un petit peu moins, et où, en gros, c'est un couple qui va se faire attaquer chez lui. Au départ par des bruits, oui, on se fait attaquer par des bruits, en tout cas des bruits un peu suspects dans l'appart, dans la maison, ils vont se demander, machin, qui sont dans un pays qui n'est pas le leur à la base,
mais il compte bien à ce que ça le devienne. Et donc, voilà, il va y avoir des gens dans cette maison qui vont un peu s'amuser d'eux, et puis qui vont littéralement les poursuivre, et ça va être un jeu du chat et de la souris dans cette maison. Et clairement, on va être là-dessus pendant à peu près tout le film, jusqu'à ce que ça se termine dans des espèces de tunnels un peu bizarroïdes. Et je voulais vous parler de ce film-là, parce qu'il y a eu une époque où j'avais vraiment envie, et d'ailleurs j'ai fait des courts-métrages, des trucs, machin, et j'adorais ce genre de film qui, moi, me donnait envie de faire du cinéma, par leur simplicité, parce que vraiment, ce film-là, j'ai presque envie de dire n'importe qui peut le faire, dans le sens où ça te... Alors, on doit avoir un certain, comment dire, panache, génie, vous l'appelez comme vous voulez, pour avoir ces idées-là, de mise en scène, de musique, de tout ce qu'on veut. Il n'empêche que... Parce que je ne suis pas en train de dénigrer le gars qui l'a fait. Mais il n'empêche que ça donne envie parce que au final, tu te rends compte que tu peux faire quelque chose avec, au final, pas grand-chose. Là, c'est deux acteurs et des accessoiristes qui font du bruit pendant une heure et demie, en gros. Et du coup, c'est ça qui est vachement intéressant. Et donc, moi, c'est ça qui m'avait donné envie. Pour le coup, je l'ai revu pour l'occasion, et avec le recul, j'ai pas trouvé ça dingo, quoi. Et je pouvais clairement pas en dire plus que ce que j'en dis là, et ça aurait été dommage. Donc, je vous encourage à le voir, mais vraiment pour cette idée-là, du fait qu'on puisse faire un film avec, au final, pas grand-chose. Je voulais vous parler, en revanche, du Visiteur du Futur, qui n'a strictement rien à voir. Mais je l'ai vu, en fait, aujourd'hui. Et je ne pouvais pas ne pas vous en parler parce que je trouve ça énorme et ça fait écho à ce que je viens de vous dire sur Hill. C'est-à-dire que c'est incroyable à quel point ce mec qui est François Descraques a fait un épisode d'un mec qui arrive du futur, qui fait une blague en disant qu'il ne faut absolument pas qu'il jette cette canette, sinon voilà ce qui va se passer. Et donc, il va y avoir une crise nucléaire, il va se passer plein de trucs et tout et machin. Donc, le fais pas, nanana. Et comment cette blague est devenue un épisode 2, un épisode 3, une saison, deux saisons, trois saisons, quatrième saison, sponsor par France 4, et in fine, un film, un vrai film, au cinéma, avec une communauté, avec des moyens, même si je pense que le gars a fait avec ce qu'il avait et avec ce qu'on lui a loué comme budget, et je pense avec certitude qu'il ne l'a pas dépassé. Et je trouve que c'est tellement génial de lui faire cette fleur, mais en même temps plutôt de l'aboutissement, en fait, de ça, de cette saga, de ce truc. Et je ne sais pas si vous connaissez, vous, les gars, parce qu'on n'en avait pas parlé, c'était pas prévu. Si vous n'avez pas vu, allez voir les 4 saisons impérativement sur YouTube, elles sont dispo, elles sont gratuites, et le film. Et je trouve ça extraordinaire. D'une blague, le mec a créé un univers entier avec des médiums différents, puisqu'il y a eu des romans, des mangas aussi, je crois. Et c'est excellent, c'est drôle. Et j'adore cet univers. Et ça m'a vraiment donné envie, en tout cas, de me refaire les 4 saisons. Vous connaissez, vous ? J'ai entendu parler, mais j'ai jamais regardé. Oh, il faut. Franchement, c'est ouf. Alors, peut-être encore une fois que ça a vieilli, parce qu'encore une fois, c'est un gamin à l'époque. Quand il fait le premier épisode, quand ils font les premiers épisodes, puisque c'est les deux frères des cracks, François et Raph, je crois. Je crois qu'il a le même nom dans le... Et puis, le Visiteur du Futur, qui s'appelle Florent, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, c'est trois potes qui ont fait ça. Et il y a des personnages... Voilà, haut en couleur, truculent, enfin, ça marche super bien, et au fur et à mesure, forcément, il y a eu des guests, il y a eu Simon Astier, Monsieur Poulpe, Davy Mourier, dans celui-là, il y a McFly et Carlito qui ont une petite scène au début, mais qui pour autant, on mérite au moins de m'avoir fait rire, et voilà, Katsumi, dans la saison 3 ou 4, dans la saison 4, on est à Néo-Versailles. C'est... Katsumi, il va falloir expliquer pour les plus jeunes d'entre nous. Hein. C'est une actrice porno à la base qui est devenue. Alors, attends, je me demande si elle n'est pas directrice de publication chez Glénat, un truc dans le genre maintenant. Mais c'est non. Juste, mais je te jure, elle a un statut comme ça. Alors, il faudrait vérifier, mais il me semble qu'elle a vraiment un statut. La dernière fois que j'ai vu ça, j'ai halluciné. Et parce que justement, hein, je cherchais pas des infos sur Katsumi, mais plutôt sur un animateur. Et oui, évidemment qu'on va te voir. J'ai regardé la première vidéo qui est tombée. Non, mais je suis tombé là-dessus, j'ai un peu halluciné. Et non, mais franchement, ouais, c'est émouvant
de se dire que ce gamin qui a fait un truc fun avec son frère et une bande de potes, bah, arrive au cinéma, quoi, et fait des centaines de milliers d'entrées avec son film. Et je trouve que c'est excellent. J'ai vu ça passer dans mes recommandations sur mon truc de visionnage en streaming. Ouais. Et je te dis franchement, j'ai totalement hésité au point de ne pas y aller. Ouais. Avec ce que tu m'en dis, je vais peut-être aller jeter un œil quand même. Alors, le problème qu'il y a, c'est que, évidemment, que vous pourriez regarder le film sans avoir vu la série, évidemment. Mais je vous encourage à ne pas le faire. Je vous encourage d'abord à aller voir la série. Encore une fois, la première saison, on est sur de la blague. C'est un peu comme Kaamelott, c'est-à-dire que ça a vraiment pris de plus en plus d'ampleur. On est sur de la blague qui est cool, hein, ça marche vachement bien, mais sur du programme court. Et puis ça devient ce que ça devient après, avec le lore, avec les personnages, avec et pour le coup, bah ouais, ce serait bête de se priver des saisons qui sont vraiment excellentes. Pour autant, je trouve ça vraiment dommage parce que je pensais avec le film. Ils allaient sortir et puis moi j'adore le voyage dans le temps, et ils le font très bien. Et je pensais qu'avec le film, ils allaient ressortir en Blu-ray toutes les saisons. Et je sais que c'est sorti en DVD, sauf que c'est vite arrivé en rupture justement avec la sortie du film, que le coffret DVD des 4 saisons, je me demande si c'était pas 20 balles, donc c'était pas non plus fou, quoi, tu vois, enfin, tu pouvais te le permettre sans problème. Et en fait, ils ont pas ressorti de DVD ou de Blu-ray. Et du coup, encore une fois, on peut les voir sur YouTube, si je dis pas de bêtises, mais je crois qu'on peut pas les voir autrement, et c'est vraiment bête. Mais ouais, bah, allez-vous. Là, je vois, bah, je suis en train de regarder. Vas-y, ils sont disponibles sur MyCanal, ouais. Amazon Prime, je vois Molotov, attends. Il y a pas mal de trucs. Peut-être sur France 4 en revenu. Apple TV. D'accord. Ouais, en fait, ils sont disponibles sur OCS. Donc, si on a un abonnement, tu sais, un abonnement à MyCanal ou à Amazon. En fait, ouais, voilà. Vu qu'ils sont partenaires, je pense que c'est aussi pour ça OCS a foutu des billes dans le film. Ouais. Et du coup, à mon avis, ils ont récupéré la saison. Mais ouais, si vous avez l'occasion, mais grave. Enfin, encore une fois, hein, c'est spécial. Je peux tout à fait comprendre qu'on n'aime pas, mais dans le délire. C'est exactement les délires que j'avais quand j'étais gamin, et j'aurais rêvé d'avoir les Coronès, de partir à fond là-dedans et de faire ce qu'ils ont fait. C'est extraordinaire, franchement. Et puis on sent vraiment que c'est des mecs qui, clairement, sur les deux premières saisons, je pense qu'ils ont commencé à gagner un petit peu de pognon après, mais c'était plus du bénévolat, des potes, mais mon Dieu, c'est ouf ce qu'ils ont fait, quoi. Donc allez-y, c'est vraiment, vraiment chouette. Ah oui, alors du coup, on passe à la recommandée. Pour le coup, c'est moi qui recommandais à Monsieur Nio un film avec Isabelle Adjani, avec Monsieur Souchon, qui est L'été meurtrier. Eh oui, alors. Alors. J'ai regardé ça hier. Je l'ai loué sur Amazon Prime pour la modique somme de 3,99€. Ah putain. Et alors. Regardez. Et honnêtement, les 45 premières minutes, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce film? Ouais. J'étais surpris parce qu'il y avait tout pour me plaire. Les années 80, j'adore ce genre de film, franchement, j'adore ce genre de film, le pitch me plaisait. Et puis, Adjani, c'est vrai qu'au début, je ne comprends pas pourquoi elle en fait des caisses, pourquoi elle surjoue. Et je ne suis pas très fan d'Adjani déjà, il faut le savoir. Je la déteste pas autant qu'Alain Delon, bien évidemment. Et en fait, moi, je trouvais qu'elle faisait des caisses et je savais pas pourquoi Alain Souchon. Bon, je vais pas paraphraser une de ses chansons en disant que c'est bidon, mais. Et je sais pas ce qu'il fout là. Et Bah, c'est-à-dire que quand tu vois jouer avec Cluzet, bah, tu vois qu'il y en a un qui est acteur et pas l'autre, quoi. Exactement. D'ailleurs, on comprend bien pourquoi Alain Souchon n'a pas. Mais oui, putain, merde. Mais putain, merde. Mais pas putain, je le dis, merde. J'en ai marre. Bon, bref, j'adore ce mec. Imitations de merde. Et puis après, ça part. Tu comprends mieux l'intrigue, tu comprends mieux où ça veut aller. Et c'est pas mal. À la fin, tu te dis, ah ouais, c'est un bon film. Après, j'adore Jean Béthière, j'adore les films qu'il fait. Les films qu'il a fait, d'ailleurs. C'est plutôt toujours bien fichu, il y a toujours
des bons castings, etc. Et donc oui, la grosse deuxième partie du film m'a beaucoup plu. Et effectivement, on peut revenir sur le cast, hein, avec Cluzet, que bon, j'adore, j'adore ce gars. Des fois, j'en regarde des interviews de lui, surtout quand il gueule, c'est toujours plus sympa. Oui. Et y a Cluzet, ouais, y a Galabru, bien sûr. J'ai noté, il y a Martin Lamotte, qui prend une droite à un moment donné dans un Ouais. bistrot. Il y a Roger Carrel, la voix d'Astérix, tout à Roger fait. Kahn, tout à fait, ouais. Et ouais, et là, du coup, Adjani, elle change complètement son jeu dans la deuxième partie. Et là, tu comprends mieux pourquoi elle faisait la pain belge au début. Ouais. Et l'intrigue est chouette. Le dénouement est chouette. Et c'est tiré d'un livre, hein, j'ai été me renseigner un petit peu. OK. Et c'est bien. Ouais, la suite est bien. Bon, Alain Souchon n'est pas mieux à la Ouais, fin. non, c'est clair. Et j'ai même envie de dire pire. Et c'est quand même rare quand tu finisses le film et que tu es plus nul à la fin qu'au début. Hein. Ouais, Et. mais je trouve que le je trouve personnellement que alors je suis exactement comme toi, c'est-à-dire que je me souviens en fait que c'est ma mère qui voulait voir ce film-là et il y a une période où je regardais beaucoup de films avec ma mère et parce que notamment mon papa était parti pour ne rien vous cacher et du coup donc je regardais ça avec ma mère, elle voulait regarder, moi ça me disait pas du tout. Peut-être qu'à un autre âge, en voyant Adjani, ça m'aurait peut-être plus dit. Mais en tout cas, à l'époque, bof, bof, quoi. Et je me souviens m'être emmerdé pendant la première partie. Mais alors, quelque Moi, chose c'est de pareil. mignon. Et pour autant, la deuxième, mais j'ai trouvé ça ouf, quoi. Parce que, bah, effectivement, il y a. Et je vais te laisser faire peut-être un petit pitch. Oui, bah, en fait, pour faire simple, le début du film commence. Donc, il y a le personnage d'Adjani qui s'appelle Elle et Eliane, hein, qui se fait surnommer Elle. Alors, elle est super canon, elle est, voilà, elle fait tourner toutes les têtes, elle a des aventures un peu avec. Dans tout le village avec plein d'hommes. Et donc, effectivement, Alain Souchon tombe sous le charme. Mais ce qu'on ne sait pas et qu'on apprend au fur et à mesure du film, c'est qu'en fait, cette jeune femme en fait, est issue d'un viol. C'est-à-dire que sa mère a été violée par trois hommes dont on ne connaît pas vraiment l'identité. Il y a des soupçons. Et en fait, quand elle revient dans ce village, ça veut dire être confrontée potentiellement à, eh bien, à ses potentiels, au potentiel, ses potentiels géniteurs en fait, qui ont violé sa mère. Donc, il y a le papa de Alain Souchon, hein, qui c'est Florimond qui s'appelle dans le film, dit Pimpon, il se surnomme Pimpon, qui serait un des coupables, mais il est mort, donc on l'apprend. Donc, il reste deux autres personnes dans le village, et donc en fait, on s'aperçoit dans la deuxième partie du film qu'elle a manigancé, elle a mis en place tout son stratège pour retrouver les deux autres types. Après, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce qu'après, Non je. mais t'as dit l'essentiel et effectivement au début tu la considères vraiment comme quelqu'un qui a pas grand-chose dans la tête et clairement et qui est bah voilà elle n'a que le physique pour elle si je puis me permettre et tu comprends en deuxième partie que finalement elle manipule tout le monde pour arriver à ses fins et pour arriver à cette vengeance quoi et à se servir de certaines personnes et je trouve du coup et c'est là où je voulais en venir que le choix du coup d'Alain Souchon est plutôt judicieux parce que c'est un mec qui a rien à foutre là et qui n'a rien à foutre avec cette fille-là, et qui est tellement, comment dire, aveuglé par la beauté de cette nana qui s'intéresse à lui, que finalement, il prend pour argent comptant tout ce qu'elle lui dit, et du coup, il n'ose pas trop la rembarrer, il voit très bien qu'elle se sert de lui, il ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, qu'il y a des trucs un peu bizarres, et finalement, il laisse passer. Et c'est aussi par rapport à ça. Et je trouve que du coup, ça correspond tout à fait à ce qu'il est en tant qu'acteur ou en tant que non-acteur dans le truc. Et du coup, je trouve que le choix est pas déconnant, en fait, du fait qu'elle s'intéresse à lui parce qu'il est manipulable, finalement. Mais après, voilà, c'est peut-être une interprétation. Non, mais c'est bien. Et toi, Eddie, tu l'avais vu ou pas du tout? Non, moi j'ai vu ça il y a une éternité, D'accord. mais j'en ai plus aucun souvenir. Mais Ok. pour le coup, je regarderai peut-être à l'occasion, sûrement, pas peut-être, sûrement à l'occasion. Mais en tout cas, moi, j'avais vachement bien aimé le dénouement aussi. Oui, Parce que la tu fin est t'y attends tragique, mais. pas. Et ça marche bien. En tout cas, ouais. Non, bah, écoute, cool que finalement, il y ait eu un petit revirement en deuxième partie. Parce que Oui, j'étais agréablement surpris. Et c'est bien, c'est ça qu'on aime aussi dans le cinéma, c'est c'est qu'on chouette, ouais. part d'un truc et tu te dis, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis Carrément. après, pas mal. Voilà. Et c'est à toi, Nio, qui a recommandé à Monsieur Vlogger Dupont la joie.
Et alors là aussi, je pense qu'il y a à dire. Alors déjà, premièrement, avant de commencer, j'aimerais remercier Monsieur New pour cette recommandation. Déjà. Parce que je l'avais jamais vu. Ce serait arrivé à un moment ou à un autre. On en avait parlé, je me souviens, quand on était au lycée tous les deux et il nous avait marqué ce film. Non, mais c'est. Mais c'est incroyable. Et alors, encore une fois, tu vois ce que je disais tout à l'heure, de ce que traite ce film-là, tu peux en refaire un remake large. Ah ouais. Mais large, oui. Contemporain et tout, et sans aucun problème. Tu vois. Le personnage joué par Isabelle Huppert, donc Brigitte, là, tu la mets en mode Instagrammeuse et tout. Bref, complètement. Je m'égare. Je vais trop vite. Je mets la charrue avant les bœufs. Dupont-la-Joie. Ça nous raconte l'histoire donc de Monsieur Lajoie, je crois que c'est Georges qui s'appelle, interprété par Jean Carmet, qui est patron de d'une brasserie, d'un bar dans Paris, et qui part en vacances. Et là, alors, un peu pareil que ce que tu as dit. Alors moi, la différence, donc je connaissais le titre, je ne savais absolument pas de quoi ça parlait, mais pas du tout. Je n'ai pas du tout cherché à lire le pitch. On m'a dit, on te recommande ça. J'ai dit, d'accord, je vais, je regarde. Je ne cherche pas le speech. Je veux que la surprise soit totale. Quand le film commence, je me dis, ok, d'accord, c'est camping, mais en 1974. C'est exactement ça, en fait. C'est comme dans l'autre, comme dans L'été meurtrier, c'est qu'il y a une première partie qui est... lunaire. La deuxième, oula, qu'est-ce qui se passe? C'est clair, à un moment, il met un coup de frein à main et c'est voilà. Au départ, ça part, c'est ça, c'est camping. Sauf que oui, c'est ça. Il y a une ambiance un peu chelou quand même au départ, et même moi, au départ, ça me dérange. Oui. Vis-à-vis du racisme, vis-à-vis de plein de petites choses, il y a un côté dérangeant chez ce monsieur Lajoie. Quand il est dans son bar et puis qu'il y a le cantonnier qui est dedans et tout, qui rigole, donc le cantonnier qui est noir et puis qui l'insulte un peu, il dit vas-y, va travailler toi, ils viennent déjà chez nous, en plus de ça ils viennent, ils rigolent, mon chien. Je dis quoi, toi, c'est que oula, c'est pas rigolo ça. Puis ça se fout de la gueule un peu de tout le monde, toi, qu'il achète les flics pour qu'ils surveillent, toi. Bon, ils partent en vacances. Quand ils arrivent, sur le coup, alors je suis gérant d'un restaurant de camping. et donc, sur le moment, je trouvais ça criant de réalisme, parce que en fait, la scène où ils arrivent les uns les autres, ils s'attendent pour bouffer et tout, ça, moi, je l'ai vécu l'année dernière et cette année. Ça fait 2 ans que je tiens le restaurant dans le camping. Et j'ai vécu ça, les gens qui se retrouvent, toujours les mêmes, c'est exactement ça. Et donc, on fait la connaissance donc de Brigitte, interprétée par Isabelle Huppert, qui est la fille d'un des... Avant que tu ailles plus loin, on va, pour ceux qui regarderaient en replay ou quoi, on va spoiler, hein, donc on va spoiler à mort. C'est obligé, donc je mettrai un timecode en description pour aller directement après, mais en tout cas, on ne peut pas faire autrement. Non, on ne peut pas faire autrement. Et donc, au début, et j'ai trouvé que la mise en scène et la réalisation étaient incroyables, parce qu'au départ, quand on te la montre, Brigitte, là, on te la montre du point de vue de comment Dupont-Lajoie, Georges Lajoie, ouais, lui, il l'aperçoit. Comme une fille un peu facile, un peu frivole, un peu machin, alors que finalement, tu te rends compte que pas du tout. C'est juste une jeune fille qui vit dans les années 64, enfin dans les années 70, tu sais. Ouais. T'as le mouvement de la libération de la femme, t'as plein de trucs, c'est juste une gamine qui fait pas attention et qui se soucie pas de ce qu'on pense d'elle ou tout ça, c'est une jeune fille qui vit tout à fait normalement, mais lui, avec son regard de pervers et sadique et machin, et surtout qui ne pense pas qu'on peut la regarder comme ça. Oui, qu'on peut la regarder avec ses yeux de pervers, finalement, tu vois. Ouais. Tout le long du film, il y a plein de trucs comme ça dès le départ. Donc, il y a plein de trucs, tu vois, et tu trouves que c'est très raciste. C'est très, très raciste. Leur attitude, bien, quand ils se rejoignent entre eux, quand tu vois la scène, la vignette qui est en bas à droite, c'est quand
le patron du camping, donc qui est lui qui a un pied noir, rapatrié d'Algérie. Fechner ou un truc dans le genre, le gars. L'acteur, ouais. C'est Castel, non? Je me trompe peut-être. Hein. Il me semblait que c'était Fechner ou un truc dans le genre. C'est Robert Castel. Robert Castel, autant pour moi. Robert Castel. Et donc, lui, il joue donc Loulou, donc l'accent pied noir, mais prononcé au possible. Ouais. Tu dis, je me dis, bah, c'est toi, c'est peu, toi. C'est, toi. Et là, il y a un Italien qui est là, qui parle arabe, toi, ça ne leur plaît pas qu'il leur parle arabe. Puis ça se passe après la guerre d'Algérie. Donc, il y a plein de. T'as plein d'ouvriers qu'on a fait venir pour construire les cités, pour construire tout ça. Donc, il y a tout ce. Ce sous-texte-là, tu sais, où on a besoin de main-d'œuvre, on fait venir des gens d'Algérie, mais en même temps, on les aime pas trop parce que vous comprenez, l'Algérie c'était français et puis machin, tu le sens, toi, dans le langage, il y a quelque chose comme ça. Faut qu'on fasse une pause quand même. Os Comics qui nous dit salut à tous, moi je sors de la séance de pas de patrouille, c'était bien, il y avait des civils chiens en danger et des super pouvoirs, voilà. Bah, merci à toi, Os. Et donc ouais, il y a un petit côté comme ça, un petit peu dérangeant dans leur façon de penser, tu sais, qui fait très t'sais, très vieux, la vieille France qu'on n'aime pas, tu vois. Toi, bah, tu sais, un peu réac, un peu raciste. C'est bon, non, je suis pas raciste, voilà, j'ai un ami noir. Voilà, je suis pas raciste, j'ai un ami noir. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est faut pas non je suis pas raciste mais il faut pas non plus me faut voler nos emplois quand même tu vois non et puis non puis que bon mais bah, qui se marient entre eux mais rien à voir tu c'est vois, ça c'est vraiment ce voilà c'est cette façon de penser que moi je déteste bien sûr me débecte au plus haut point donc au fait tout le film est très gênant par rapport à ça mais il est quand même très 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 intéressant et donc du coup même qu'il se passe pas grand chose et qu'on comprend pas où ça veut en venir au départ. Moi, je suis resté, toi, un petit peu comme hypnotisé. Et à un moment, Monsieur Lajoie, il est en train de se balader et il tombe sur Brigitte, donc la fille de ses amis, hein, qui est en train de se faire bronzer nue, toute seule, dans un coin un peu caché à l'abri. Et lui, il va s'approcher d'elle et il va croire. En fait, que les petits regards, les machins que lui, il avait envers elle, qu'ils étaient plus ou moins réciproques, il va tenter de l'embrasser de force, il va vouloir la violer, et il va la violer, et pendant qu'il la viole, il lui met un mauvais coup, et il la tue sur le coup, net. Et en fait, ce qu'il fait, il déplace le corps, et il l'emmène donc dans le chantier où il y a les ouvriers... Les ouvriers émigrés qui sont en train de travailler. Et en gros, il leur met ça sur le dos. Et à partir de là, le film, il part en cacahuète, mais total. Mais je m'attendais tellement pas à ça. Quand j'ai vu au début l'ambiance, les flots bleus, à la fin, ça finit en règlement de compte avec Victor Lanoux. Victor Lanoux, il est incroyable dans le film. Victor Lanoux, il est. Mais c'est tout le cast qui est incroyable, parce que c'est des mecs que tu as l'habitude de voir dans des comédies populaires. C'est ça. T'as Carmé, t'as Pierre Tornade, t'as Marielle, t'as Lanou, et tu te dis... Mais t'as Jacques Villeray qui joue dedans. T'as Jacques Villeray, t'as un espèce... C'est comme si ils étaient remplis de dark side, tout. Ils étaient... Ouais, c'est ça. En fait, un peu crash avec des... C'est ça. Mais c'est... Mais, et donc, du coup, ouais, t'as les mecs qui se montent le bourrichon les uns les autres. Ouais, ils veulent se faire justice eux-mêmes. Ils vont, ils descendent dedans, ils tabassent un mec à mort. C'est... Et en fait, on te montre tout ce que l'humanité peut avoir de plus répugnant, dégueulasse et ignoble quand on se met en société. Tu sais, quand on est capable du pire comme du meilleur. Et dans ce film-là, on nous montre le pire. Enfin, tout ce qu'on peut faire de plus dégueulasse, on le fait. Et j'ai passé. Alors, j'ai passé un très bon moment. Le film était très 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 bien. Un bon moment au cinéma. Ah ouais, mais franchement, ouais, un vrai bon moment de cinéma, mais derrière ça, c'est un putain de bon film, tu dis. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure avec Le Clan des Siciliens, tu fais le même film avec la même thématique, tu changes juste deux, trois trucs. Tu sais, aujourd'hui, voilà, t'as des jeunes filles, moi j'ai deux filles, donc je sais ce que c'est.
tu as des jeunes filles qui font pas attention, qui sont sur les réseaux sociaux et qui font pas ça. C'est pas parce qu'elles se mettent en maillot de bain sur Instagram que c'est forcément, et je m'excuse du terme, mais c'est ça. C'est pas parce qu'elles se mettent en maillot de bain sur Instagram que c'est des salopes qui cherchent quoi que ce soit, ouais. Qui cherchent quoi que ce soit avec un homme. C'est juste parce que c'est des femmes, des jeunes filles qui sont fières de leur corps et puis qui veulent. Et derrière, tu as des putains de pervers comme ce mec-là qui s'imaginent que sous prétexte qu'elles se montrent un peu, c'est parce qu'elles cherchent quelque chose. Et ça, on pourrait clairement, c'est clairement une thématique. C'est adaptable, pourrait... ça c'est clair. Ah ouais, mais c'est mais tellement. Et le racisme, tu vois. Et ça pourrait dénoncer exactement la même chose. Exactement la même chose. Mais c'est ça qui est fou en fait, c'est que le film a bientôt 50 ans et qu'en fait, ben, les mentalités n'ont pas tant changé que ça. C'est moi, ça c'est le curseur est un peu moins, mais la finalité pourrait être la même. Je pense que le curseur est un peu moins parce qu'on n'ose plus, parce que justement, il y a un peu, tu vois, le... Je suis d'accord. Mais je pense que la pensée, elle est quand même... Moi, j'en vois tous les jours. Hein. J'en vois tous les jours, hein, des gens et des machins et des trucs. Et va sur... C'est pas compliqué, t'as qu'à juste aller sur les réseaux sociaux, des fois tu vois des gens qui sortent, mais... C'est clair. C'est... Ah oui. Mais moi, ce que je trouve extrêmement fou pour l'époque, c'est que c'est un film date de 74, quand même, il me semble. Ouais, c'est ça. Et c'est hyper fort, hein. On est quand même dans un moment où la France et les Français sont un peu avec des œillères. Bon, oui, il y a des immigrés, mais bon, voilà, quoi. On y fait pas... Ils sont là, mais on n'y fait pas trop gaffe, mais on y fait un peu gaffe quand même, comme on disait tout à l'heure, n'est pas nous piquer nos emplois ou je sais pas quoi. Et moi, je trouve extrêmement courageux à l'époque de faire un film comme ça qui met en lumière justement un problème qui est en train de grandir et qui aujourd'hui, bah oui, est là, hein, c'est clair, c'est le racisme, c'est l'exclusion de l'autre, etc., etc. Moi, je sais que la première fois que j'ai vu ce film, j'ai le même sentiment, t'as l'impression d'avoir vu un chef-d'œuvre, mais t'es super mal à l'aise. Je me rappelle, je l'ai vu avec mon petit frère, donc, il y a 3 ans de moins que moi, il m'a dit j'ai adoré, mais je ne le regarderai plus jamais. En fait, moi, il me fait penser à Irréversible de Gaspard Noé. Un petit peu, ouais. À la différence que Jean Carmet était déjà une figure à l'époque, qu'il l'est toujours aujourd'hui, et que du coup, tu peux pas, attention à ce que je veux dire, évidemment raciste, mais tu peux pas t'empêcher de le voir en tant qu'acteur comme le bon gars. Tu vois ce que je veux dire ? Comme le gars qui est. Pas, voilà. Il a une connotation, si tu veux, de bonne patte, tu vois, c'est ça que je veux dire. L'acteur, le personnage, tu vois, il a ce qui n'enlève rien, effectivement, au racisme ambiant du film, et voilà. Et du coup, je trouve qu'il choque encore plus parce que je pense sincèrement que quand tu ne connais pas le pitch, et donc tu ne le connaissais pas, et avec le recul qu'on peut avoir sur l'acteur à l'époque, mais putain, mais ce film-là a dû choquer de fou. Parce que bah, tu ne peux pas t'imaginer que Jean Carmet interprète un personnage comme ça. Bah non. Ouais. Et le fait aussi, plus que le racisme, même si ça va avec, mais se retrouver derrière un truc, se retrouver derrière le fait qu'on haït tous quelqu'un ou une communauté, et du coup, ça prend une ampleur de dingue parce qu'on se retrouve tous derrière le même truc dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, et puis ce qui est tout à fait dingue, c'est que, bon, effectivement, donc il viole et tue la petite, interprétée par Isabelle Huppert. Comme dit Eddie, il la met dans le camp d'immigrés. Les immigrés se font lyncher par les Français complètement ahuris, complètement ahurissants. Et puis la justice, il n'y a pas de justice, en fait. Ils sont interrogés par les flics, et puis, bon, au bout d'un moment, ils tassent. Oui, bon, bah, c'est les immigrés, quoi. C'est, on ne va pas plus loin, quoi. Et ça, c'est juste. Mais encore une fois, hein. Carrément adaptable, mais comment dire, en gros, il faut qu'il y ait un coupable, c'est ça que je voulais dire, mais j'arrive pas à le dire comme je voudrais le dire, mais je trouve que pire encore que le racisme, il faut un coupable, l'immigré est responsable de tout, quoi qu'il arrive, vous voyez ce que je veux dire ? Et ils se réunissent tous derrière ça. Derrière, s'il y a un coupable, c'est eux, quoi. Et c'est ça qui est dangereux, et c'est ça qui est encore dangereux aujourd'hui, quoi.
que ce soit pour ça ou pour les emplois ou pour autre chose. Oui, mais c'est de la vraie, parce qu'on dit racisme, mais celle-là, c'est même plus que du racisme, c'est de la xénophobie. Oui, c'est complètement ça. C'est vraiment le rejet de l'étranger, la peur de l'étranger qui va nous voler nos femmes, qui va nous voler notre travail, qui va nous voler nos maisons, C'est exactement ce que, et là tu me rejoindras, je l'espère, Monsieur Niau, en tant que prof d'histoire, mais c'est exactement ce que pratiquent les dictateurs. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on trouve une cible, c'est cette communauté-là, et c'est elle qui est responsable de tous nos maux. Et du coup, c'est eux qu'il faut mettre à l'écart. En 40, c'est ce qu'a utilisé... le moustachu parce que je sais pas trop si on peut je dire sais son pas nom trop non plus. C'est un peu Voldemort le mec sur YouTube. Ouais, donc entre autres mais c'est aussi la même chose que ce qu'utilise toi l'extrême droite voilà, c'est les autres, c'est eux, c'est de leur faute à eux, tu t'écoutes parler, c'est toujours comme ça et c'est pareil dans tous les pays où il y a de la dictature, c'est toujours la même chose, toi comme aux États-Unis, le problème, c'est les Mexicains. C'est ça. Voilà. Et comme tu le disais, du coup, en off, quand on a vite fait parler, parce qu'on ne se parle jamais des films du tout, hein, pour vraiment non, voir la fraîcheur, carrément. Regarde la surprise. Mais tu m'as dit un truc du style il me hante, et moi, je t'ai dit, ça fait 20 ans que je l'ai vu, il me hante encore. Moi, du viol, elle est horrible. Justement, pour faire un parallèle avec l'été meurtrier, c'est pareil, j'ai pensé quand je l'ai vu hier, il y a la scène du viol de la mère qui est filmée, qui est trash, et ça m'a fait exactement penser à la scène du viol dans Dupont-la-Joie, et je savais qu'on allait en parler. Ce qui est fou, c'est que tu vois rien, parce que c'est un gros plan, en fait, c'est un plan très serré le visage de Jean Carmé. Ouais. Tu as le coup qu'il lui met, tu le sens quand même, que le coup est dur et fatal. Et en fait, t'as le gros plan sur ça, et t'as juste sa tête à lui, mais il joue vachement bien, Jean Carmé. Lui, il est ignoble et dégueulasse quand tu vois il est en train de la violer. Elle est morte, et il continue de la violer. Faut être accroché, hein, très clairement. Et le truc, c'est ça, c'est que après, quand ils vont, je l'explique, en fait, moi, j'étais content de la fin. Et du coup ça bon je vais expliquer quand ils se montent le bourrichon tous ensemble et puis qu'ils vont dans la baraque où vivent les émigrés et puis qu'ils commencent à taper sur tout ce qui bouge, il y en a un qui arrive à se sauver et en fait tu as deux frères qui sont en train de travailler dedans. Il y en a un des deux qui arrive à se sauver, donc un des deux frangins qui arrive à se barrer. L'autre, il le tue, mais quand le flic il t'explique ce qu'ils lui ont fait, poumon perforé, exploser la boîte crânienne, ils l'ont vraiment massacré. Le frère qui était au départ mis en cause, lui, il se sauve et on ne le revoit plus du tout. Les vacances se terminent. La joie, donc le violeur qui s'en sort bien, hein, puisque lui il n'est pas inquiété du tout, il remonte, il raccroche sa carole, il dit il est dégueulasse, il dit oh, c'est dommage quand même, tous ces frais pour si peu de temps, enfin, donc voilà. Ouais. Oh, la vache. Le regret qu'il a, hein, tu vois ça, mais c'est. Et donc quand il dit à Loulou, le patron du camping, je sais pas, l'année prochaine, l'autre il dit non, l'année prochaine, ça serait mieux que tu reviennes pas, et puis ça serait mieux que tu reviennes plus jamais en fait. Parce que lui, il est pas du tout d'accord avec ce qui vient de se passer. Lui, c'est pas que c'est lui qui l'a violé, mais toute la meute de chiens fous qui sont allés taper sur les immigrés, lui, il est pas du tout d'accord avec ça. Et je pense que c'est aussi dû à son passé, à ce brave Loulou, qui il était pied noir et qui vivait en Algérie. Ouais. Et je pense qu'il doit y avoir quelque chose là-dessous aussi. Et quand il revient à Paris. Je sais pas, on ne sait pas combien de temps il se passe, mais on voit qu'il est à Paris, il est dans son bar, il est en train de nettoyer, il y a un mec qui rentre dedans, il ouvre son manteau, c'est le deuxième frangin qui s'était sauvé, qui l'a retrouvé, il sort un fusil à canon scié, bam, bam, il lui tire deux balles. Et qu'on voit au générique, au début, qui déambule dans Paris, et après, c'est un flashback, en fait. Et d'ailleurs, ouais. je suis en train de penser à ça, là. Tu nous as mis l'affiche du film, et je pense que tu as bien fait. Et je la regarde et on ne voit pas de visage, on voit juste le nom Dupont-la-Joie. Alors Dupont, ça peut faire Dupont-la-Joie, ça fait écho à Ducon-la-Joie. Oui, bien sûr.
d'expression. Et donc, il n'y a pas de visage. Et j'ai en train de me demander s'il n'y a pas une idée là-dessous en disant que ça pourrait être n'importe qui, en fait. Ah oui, mais je pense que c'est clairement. Ça, en fait. Ça peut être n'importe qui. Clairement. Bah, et puis, en plus, le fait que... c'est, alors, si je me souviens bien, encore une fois, je ne l'ai pas... Pour le coup, vous voyez, celui-là, je ne l'ai pas re-regardé. Mais, je veux dire, quand il revient, il sent que, justement, il peut tirer parti de ce racisme et de trouver un échappatoire et puis une porte de sortie. Une porte de sortie, un coupable facile. Et du coup, il se sert clairement de ça et il monte les autres là-dessus en les guidant sur ça, quoi. Il a, le pire, c'est qu'il n'a pas trop besoin de forcer, en fait. Non, lui, il l'emmène dans le camp là-bas en disant, bon, ils vont la retrouver. Voilà. Mais derrière, quand ça se monte un petit peu tout seul, lui, il n'a pas besoin de trop attiser. Tu vois, il est même un peu en suiveur. Tu vois. C'est même pas lui qui dit, ouais, c'est eux, il faut aller. Allez, on y va. Mais c'est vrai que ouais, c'est en tout cas moi un truc qui m'a marqué et j'étais jeune hein, à l'époque je ne sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus. Je ne comprends pas parce que ma mère me l'aurait pas laissé regarder, mon père non plus. À mon avis, je suis tombé dessus à la télé et j'ai halluciné parce que vraiment ça m'a vraiment marqué à vie quoi, clairement. Et il y a Mystic Angel qui nous dit que apparemment le film a fait polémique. Alors clairement, je suis pas du tout étonné et que plusieurs salles ont refusé de le diffuser. C'est un truc de ouf. Ouais. Pour l'époque, c'était osé. Et Madame Lena Live, bonsoir. Et ouais, non, c'est enfin, mais on n'en sort pas indemne, vraiment. Et puis moi, sincèrement, alors que c'est complètement con. Mais j'ai jamais pu regarder de la même manière Jean Carmet. C'est horrible, mais je te jure que je le voyais. Ben ouais, mais non, mais carrément quoi, vraiment. Et c'est alors que c'est complètement con. C'est vraiment, ça m'a traumatisé comme ton frère pour le coup. Ah oui. Ouf. Non, parce que c'est clairement ça en fait. C'est la tête du bon gars. Il a pas une tête de criminel. Il a pas une tête de. C'est monsieur tout le monde. C'est monsieur, ouais, c'est ça. C'est monsieur, alors, monsieur tout le monde, raciste, mais monsieur tout le monde, à l'époque, est-ce que tout le monde était pas, tu vois, c'est un peu ça aussi, quoi. C'est vraiment le souci. Je vous propose de passer à la suite, télécharger l'application. Et puis, si vous pouvez pas, c'est pas grave, hein, on va la faire quand même comme ça. Et puis, monsieur vlogueur, jouera tout seul et c'est pas très, très grave. Pour la gloire. Pardon ? Pour la gloire. Pour la gloire, tout à fait. Et donc, on va jouer un jeu, un petit quiz, en fait. Je vais juste partager mon écran, si j'y arrive. Toc, toc. Alors, partage l'écran. Hop, hop. Arrêtez Salam Alek Betoun. Arrêtez Salam Alek Betoun. Il faut le dire avec le confinement. Alors, non, c'est pas ça que je veux. Qu'est-ce qu'il me fait ? Non, ça, c'était page... C'est ton historique, ça. On est pas envie de tomber sur des choses. C'est nul. Mais non, Katsumi, tu sais. Katsumi est dans la place. Katsumi, alors, tu dois mettre un code, mon cher Eddy. Donc, c'est ce code. Tu le mets. Et ceux qui sont dans le chat et qui veulent jouer avec nous peuvent tout à fait mettre ce code. Attends, le décor est sympa. Vous pouvez tout à fait aller sur Internet, taper Kahoot et puis direct avoir la page pour jouer, ou vous pouvez du coup, depuis l'application, jouer avec ce truc. Alors évidemment, ceux qui regarderont en replay pourront pas jouer, on est d'accord. Et donc, c'est un petit quiz cinéma. Alors, peut-être je vous demanderai une petite réaction à chaque film, parce que si je dis pas de conneries, il n'y a pas un film qui est le même sur toutes les questions. Et du coup, si vous pouvez réagir, ce serait très sympathique. Est-ce que dans le chat, il y a quelqu'un qui veut jouer ou pas ? C'est vous qui dites. En même temps, je ne vais pas attendre comme un con s'il n'y a personne. Au bout de 2 heures, bon, on va peut-être commencer. Bon, voilà, on va passer à la suite. Tac, 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 tac.
Mystic Angel. Merci, Mademoiselle Angel. Je vais affronter Mystic Angel. Ah ouais, et ça va faire très mal. Et le vlogueur, il a un lapin avec une citrouille sur la tête. Ouais, c'est bah, ça. Parce que le vlogueur, il est comme ça. C'est comme ça, on dit Halloween, il citrouille. Oh la vache. Bon, alors on va commencer. Hein. je vais m'occuper de l'humour. Et puis, écoute, c'était une vanne, évidemment. C'était une vanne. Alors, quiz ciné 1, donc, puisque je l'ai renommé ainsi, hein, évidemment. Je peux pas répondre, du coup. Ah bah non, du coup. Alors, ouais. Question 1. Dans Le Silence des Agneaux, combien Anthony Hopkins a de temps d'écran? Est-ce que c'est 7 minutes, 16 minutes, 23 minutes, 30 minutes? Je vous rappelle qu'il a obtenu l'Oscar pour ça. Meilleur second rôle, si je dis pas de bêtises, j'espère ne pas dire de conneries. Je répondais. C'est 16 minutes. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va attendre que Eddie réponde, puis tu donneras ton avis ensuite, Nio, si ça te va. Silence des agneaux, vous validez? Oui. Tu Le as film. Vu Ouais. Comment ne pas valider ce chef-d'œuvre? Exceptionnel, franchement. Ça, j'ai même lu le roman, toi, après avoir vu le film plusieurs fois. Il y a beaucoup de différences? Pas des masses, mais je trouve que à la lecture, c'est beaucoup plus impactant. Quand tu as vu le film et que tu te fais le roman derrière, tu revis les trucs, je trouve que c'est beaucoup plus immersif, en fait. C'était à la place de Mademoiselle Clarisse. Ah, putain. Et j'ai pas vu la série, par contre, j'avoue que je suis assez curieux de savoir. Enfin, que c'est pas mal. Mais ouais, non, un super souvenir de dingue. Alors, attention. Quel acteur n'a pas été pressenti pour le film Matrix? Sean Connery, Matt Damon, Will Smith ou Jean Reno? Là, je pense qu'il y a un piège. Alors, Will Smith, je sais que c'est sûr, il a refusé le rôle. Sean Connery, c'est possible qu'il ait été... Allez, je vais dire Matt Damon. Bah, voilà. C'était Matt Damon. Alors, il faut savoir que Sean Connery, il a été pressenti pour jouer Morpheus. Morpheus, ouais, je m'en doutais. Et que Jean Reno a été pressenti pour jouer Smith. Ah ouais. Ah, c'est quand même fou. Ouais, Monsieur Smith. Matrix, j'allais dire Matrix quand même, je vous jure que c'est vrai. Matrix. Ouais, c'est un vlogueur pour l'humour, du coup. Mais pour le coup, c'était un vrai film qui existe. Il y avait Katsuni. Dans les éditions Marc Darcel. Mais moi, Matrix, j'ai toujours cette anecdote. Moi, je me souviens avoir vu la bande-annonce, trouver ça fou, en fait. Et parce que quand j'étais gamin, je me posais sérieusement la question si ce que je vivais, j'étais pas en train de le rêver et être en train de dormir, vraiment. Et du coup, quand ce film est sorti, je me suis dit, mais putain, c'est exactement... C'est sous traitement, non? De quoi? C'était sous traitement ou non, ouais. et du coup, tout ce que je vis est réel. Je me souviens qu'on était à Perpignan, et du coup, j'ai dû faire, mais je sais pas, 3-4 kilomètres à pied pour aller voir le film tout seul, en plein air. J'étais minot, quoi, tu vois. Et pour le coup, ouais, un soir, j'ai demandé à mes parents si je pouvais y aller, et j'y suis allé tout seul pour voir ce film, et quelle claque, mais bon Dieu, quelle claque. C'était incroyable. Attention, qui n'est pas un personnage joué par Joe Pesci dans un film de Scorsese? Nicky Santoro, Frankie Carbone, Russell Bufalino ou Tommy DeVito? Alors, Nicky Santoro, je sais exactement qui c'est. Ah. Ça, c'est dans Casino. Ouais. C'est lui. Ouais. J'aurais dit pareil. C'était Frankie Carbone, ouais, effectivement. Bon, Frankie alors, Carbone, mais c'est pareil, c'est dans Casino. Et, c'est ça. Attends. C'est un autre personnage. Ouais, c'est un autre personnage. Et mais on va pas le redire, mais qu'est-ce que c'est bien, franchement. Moi, ceux-là, je peux vraiment me les remater sans mais, problème. Mais tellement. Franchement, c'est juste incroyable. J'ai l'impression. Bah non, allô, Mystic Angel là. Ah, je pense que du coup. Peut-être elle a lâché l'affaire. Et quelle est la date de sortie de The Mask? Oh putain, ça je sais. 94, 92, 93 ou 96? Il y a peut-être un piège. 94. Date de sortie française. 94.
C'était 94. Yeah. J'ai hésité, tu sais, parce pourquoi, voilà, date de sortie française. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que c'est... je l'ai vu en 94, mais est-ce que c'est pas sorti en 93? Ouais, bah ouais. Et The Mask, mais c'est pareil, quoi. C'était fou, quoi. Franchement. Ah, ouais, j'ai splendide. Rien. Ah bah ouais. Mais... splendide. C'était vraiment. Enfin, je savais pas ce que je venais de regarder, quoi. Un film, un toon, un. Oh, c'était. Non, mais c'est vrai, c'était dingue, quoi. Moi, et notamment avec Cameron Diaz qu'on découvrait. Et... ouais. Et personnellement, j'ai découvert Jim Carrey dans ce film-là aussi. Hein. Ce ouf en dit long. Moi, j'ai découvert dans Ace Ventura. Excusez-moi, quel est le compositeur du film Titanic? Oh, James Horner. James Horner. Ah bon, allez vous faire mal. Non, c'était au cas où il fallait départager, mais je crois qu'Eddie est sur la bonne voie pour gagner face à Mystic. Après, il y a peut-être un piège. Hein. Et James Horner, Angel, où êtes-vous? Très célèbre, James Horner. Très célèbre, James Horner. Tadadadum. Ah ouais. Oui, Willow. T'as fait Willow. T'as fait les premières notes de Willow, là. Ah ben, James Horner l'a utilisé dans plus de 80 films. Donc, ah ouais? Le Masque de Zorro, tu peux y aller. Dans Alien, tu peux y aller. Dans Titanic, tu l'as dans aussi. Alien, putain, dans c'est Avatar. Clair. Ouais, ouais, j'avais dans Avatar, aussi, putain. Dans Avatar. Tadadadum. Mais dans grave. Avatar, mais j'avais commencé à faire une vidéo qui parlait de ça. Putain, mais c'est ouf. Le Danger Theme, ouais. Putain, mais qu'est-ce que c'est bon. Ah, elle a joué Mystic Angel, ouais. Allez, on va y arriver. Combien de joueurs, excusez-moi, il y a des fautes, y a-t-il dans le film Hunger Games? Oui, là, le prof de français que je suis est... ah, désolé, vraiment désolé. J'ai fait ça à l'arrache cet après-midi. Putain, j'ai... j'ai jamais regardé ce film de merde. J'ai jamais regardé dans le film. Alors, moi, j'aime beaucoup. Alors, moi, j'ai jamais vu la fin. Ah, je vais dire ça. Moi, c'est un film de geek et non, je refuse. Ah merde. Toi, j'ai hésité. Alors, en fait, il y a 12. C'est quoi, c'est famille? Comment on dit? Corporation? Je sais plus. Il y a un nom. Et non, c'est les factions. Factions, non, c'est ça. Et du coup, il y en a 2 par faction, en fait. Du coup, bah voilà, ça fait 24. Ensuite, ah, Mystic Angel revient en force. Quel est le vrai nom de Danse avec les loups? Dance with Wolves. Bill Williamson, Arthur Morgan, John Dunbar ou John Marston? J'adore ce film. J'en sais fiche rien. Je crois que c'est Arthur Morgan. Et... j'ai pris une claque. C'est John Dunbar. Il est trop bien. Tout en cas. Moi, je l'ai vu que 2 fois parce qu'il est long, mais il est magnifique. Et moi, j'ai acheté la version Director's Cut, que je n'ai jamais regardé. Pour vraiment, je regarde la Director's Cut. Il dure 8h20. J'avais pris une claque. Pour la première partie. Hein. Oh. 8h20, c'est la première partie. Quand il bouffe les couilles du taureau et tout, non, c'est super. Non, mais la chasse de bison. Mais, ouais. Mais tout, quoi. Franchement, j'avais trouvé ça mais incroyable. Ah, puis Costner, il est... Ah, Costner, il est... sublime, il est... Bah, là aussi, oh, habité, quoi. Ah ouais, et le mec réalise. C'est lui qui a fait le film. Ouais. C'est un chef-d'œuvre. Et il dire qu'après, il a fait Waterworld. Ouais, c'est complètement parfait. Et j'avais, vois, j'avais c'est le western qui fait bien, tu vois. C'est le western qui change des westerns de merde avec John Wayne. Eh bien, vous faites bien d'en parler pour la bonne et simple raison qu'ensuite, il a fait Open Range, qui est vachement bien aussi. Ouais. Et qui a eu beaucoup moins de succès, mais qui est vachement bien. Ça me donne envie de le revoir. Ouais, et il a fait The Postman aussi, qui n'est pas incroyable. Ouais, et celui-là, je ne l'ai pas vu. Pas Et là, par contre, il est en train de faire un western, encore une fois, en 2 parties, qui sort, si je dis pas de conneries, genre un en juin, un en août, ou un en avril, un en août. Mais genre cette année, hein. Enfin, 2024. Vas-y. Il est revenu sur le devant de la scène avec Yellowstone, et du coup, c'est ça qui lui a redonné, de l'influence pour pouvoir faire le truc. Il a fait un magnifique film qui est sorti en 2021, je crois, avec merde, comment qu'elle s'appelle déjà, Diane Lane, qui joue. En fait, du coup, c'est Jonathan et Martha Kent. Superman, tout à fait. Exactement. En fait, ils reforment le même couple dans un film, un thriller, les gars. Si vous n'avez pas vu ça, faut absolument le voir. Ils ont un fils qui épouse une jeune fille qu'il aime. Ouais. Ils ont un ranch.
Ça se passe dans les années, ça doit être dans les années 30, 40 ou un truc comme ça. Ouais. Son fils, donc, a un petit un fils. Voilà. Ils vivent à proximité de chez eux. Tout se passe bien. Kevin Costner joue le rôle du chef de la police. Et un jour, le fils a un accident de cheval. Il tombe de cheval. Il se blesse à la tête. Et il meurt de cet accident de cheval. La fille, elle continue de vivre un petit peu chez eux. Et donc, c'est les grands-parents qui élèvent le petit, quoi. Le gamin, ouais. Et sauf qu'un jour, elle se remarie avec un mec qui est violent et qui la frappe et qui est un petit peu violent avec le fils, donc avec le petit-fils. Ouais. Et un jour, il se barre et il se part à l'autre bout du pays. Et eux, ils disent non, c'est pas possible, faut qu'on aille rechercher le gamin. Et quand ils arrivent là-bas, c'est une espèce de famille de tarés dégénérés complètement à la masse. Mais c'est quoi ce film? Alors, je crois que c'est l'un des nôtres, le titre du J'en film. Ai jamais entendu parler. Bah écoute, moi j'ai découvert ça, je vais regarder, hein. Je crois que c'est l'un des nôtres. Putain, depuis tout à l'heure, j'ai un moustique à côté de moi, je ne le vois pas, mais je l'entends. Franchement, ouais, mais on l'entend aussi, nous. C'est vrai? Ouais, j'ai entendu, je croyais que c'était mon téléphone qui grésillait. Je sens qu'il va m'empaler, le salaud, mais alors... Donc c'est ça, c'est le titre du film, c'est l'un des nôtres. Ok. Il y a Geoffrey Donovan qui joue dedans, je sais pas si tu vois qui c'est. Et ça me parle. Attends, je vais regarder Geoffrey Donovan. Mais en tout cas, ça me plaît. Mais le film est très très stylé, hein. C'est pour le coup, c'est pas pas du tout comique, c'est lui le gendre. Geoffrey Donovan, non, c'est le frère du nouveau. D'accord. Tu sais, il y a une ambiance, moi, tu sais, ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser à, tu vois, Old Man Logan? Ouais. Tu vois la famille de Hulk? Ouais. Ben, ça m'a fait penser à ça. Ah, putain, la vache. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Bah, écoute, je vais aller voir ça. Franchement, Attends, il date de quand ce film? C'est fou. Je crois que c'est 2020. 2020. Ouais, 2020, tu vois. Eh bien, mais je vais aller voir ça. Alors, très très bon Kevin Costner. Je passe à la suite parce que j'ai juste peur qu'il bug le questionnaire et que du coup on l'est dans l'os. Quelle est la durée du film Interstellar? Vous avez 4 propositions, 1h57, 2h38, 2h49 ou 3h05. 3h05. Alors, je précise que j'ai pas été chercher un questionnaire, hein. C'est moi qui l'ai fait ce putain de questionnaire. Ouais, donc, c'est donner du mal. Effectivement, c'est 2h49. Votre avis sur Interstellar? C'est mon film préféré de science-fiction, de voyage dans l'espace, de Christopher Nolan. Ouais. Alors, moi, j'en ai beaucoup entendu parler, j'adore les films de science-fiction, j'adore les films d'espace. Donc, un soir, je me suis dit, allez, tu sais que c'est long, tu te poses, tu bosses pas demain. Ouais. Une tisane, 3 chocolats et en avant. Et j'ai adoré. Alors, c'est pas mon film de ce, mais j'ai adoré. Et j'aime bien les films où à la fin, tu as le cerveau qui tourne en partie. Ouais. Et tu fais des recherches après, est-ce que tu crois que. Et non, j'adore. Et puis c'est Matthew McConaughey qui joue dedans. Ouais. Mais tout le casting, Bryce Dallas Howard, elle est incroyable. Oui. Anna Taoué, elle est exceptionnelle. Même comme il s'appelle. Ne dites pas l'acteur, parce que je vais en parler. Ne dites pas l'acteur. L'acteur. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais. Mais donc pour le coup, moi j'adore ce film-là. Tu vois, en plus, le mec, il prend une vraie théorie, la théorie de la relativité restreinte. Le trou noir. La relativité générale, la relativité restreinte. Enfin, tout ce qui. Moi, j'adore. Là, tu me parles de voyage dans le temps, tu me parles de voyage dans l'espace, découverte, d'exploration, je surkiffe. Alors moi, pour le coup, j'avais été super étonné parce qu'effectivement, il y a un acteur qui joue dans le film auquel, enfin, on s'attend pas, quoi. Mais alors, même si ça te met la puce à l'oreille parce qu'on n'arrête pas de te parler d'un personnage qui arrive pas, et du coup, tu te dis que ce gars-là peut pas être un gars lambda. Et qui a joué dans un autre film. Ouais. Qui parle de l'espace, que j'adore aussi. Ah bah, où il est tout seul? Ouais. Ouais, carrément, ouais, c'est clair. Mais j'adore.
En fait, c'est dingue parce que c'est presque le même film, ouais. Mais c'est son opposé dedans, en fait. Et alors, par contre, oui, c'est tout à fait. Par contre, moi, il y a deux moments où j'ai... Alors, j'ai la chialade facile, hein, je l'ai déjà assez dit. Mais alors, moi, il y a deux moments qui me font chialer. Le moment où il passe un peu trop de temps sur une planète et du coup, après, il parle avec sa fille. La planète Miller. Alors, celui-là, est-ce que c'est parce que ma fille venait de naître? C'est pas impossible, autant vous dire tout de suite. Mais alors, elle m'a retourné cette scène. Et alors, con ou pas, mais il y a un moment donné où il est avec... son nom m'échappe, mais avec le robot. Putain, comment il s'appelle? Tars. Et ils sont en train de s'amarrer, justement, après avoir vu cet acteur. Ils sont en train de s'amarrer au truc qui tourne. Et du coup, il doit tourner en même temps et adapter sa vitesse. Cette musique... J'en ai des frissons et je pourrais chialer tout de suite. Ah oui, non, mais, juste d'y penser, j'ai la chair de poule. Je pense vraiment que si je devais être acteur, je pense à cette scène, je chiale, je pense à la scène et à la musique et je chiale. Si on me demande de chialer, c'est à ça que je pense. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Moi, c'était un moment de cinéma, ça, mais alors que c'est juste deux trucs qui tournent, bordel. Tu vois, c'est incroyable. Incroyable. Magnifique. J'en ai fait ce qu'ils font, bravo. La question numéro 9, quel est le prénom du frère d'Eliot dans E.T.? C'est le choix entre Scott, Michael, Francis et James. C'est bien Michael. Moi, j'ai mis Scott, mais j'ai répondu au pif. Il y a trop longtemps que je n'ai pas revu E.T. Et c'est Michael. Effectivement, c'est Michael. Vous, votre rapport à E.T., du coup, vous en avez un ou pas du tout? Ouais, j'en ai un, ouais, bien sûr. Moi, je l'ai vu quand j'étais petit, mais vraiment petit. Ouais. Et pendant très longtemps, et en fait, j'ai vu tellement petit, et dans la foulée, j'avais dû voir Rencontre du troisième type. Mais j'étais vraiment petit, je devais avoir 4-5 ans, ça passait à la télé. Peut-être que ma mère regardait ou mes frères, j'en sais pas, ce que j'avais fait avec son plus grand frère, bien plus grand. Et pendant longtemps, j'ai mélangé les deux, en fait. Et notamment au niveau des aliens. Et du coup, E.T., je l'ai regardé un peu plus tard quand j'avais 10-12 ans. Et j'adore ce film parce qu'il est tendre, mais ça est aussi la larme facile. Et à la fin, c'est un peu compliqué. Et j'avais un masque de E.T. quand j'étais petit, je le mettais tout le temps, je me souviens. C'était la mode où on pouvait acheter plein de masques en plastique dans les années 90 au début. J'en avais plein, j'avais Tortue Ninja et j'avais Asterix et j'avais E.T. J'adorais ce masque. Si j'avais ça me faisait une tête bizarre, mais j'adorais. Pareil. Et la musique est géniale. Moi, la scène qui m'a un peu retourné, c'est quand il retrouve le bétail dans la rivière. Ce moment, moi, ça me déchire. Ça me fout les miquettes. Je me souviens, voilà, mélange de tristesse et de peur à la fois. Enfin, c'était vraiment terrible. Quel âge a Orson Welles quand il réalise Citizen Kane? Des jeunes, 27, je dirais. Est-ce que vous avez vu Citizen Kane déjà? Absolument. Alors, moi, je ne l'ai pas vu. Et... Ah putain, il faut. Il faut. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu en séance du Medievore. Ah ouais? L'ancêtre de la Watch Party. C'est ça, bah, carrément. Il a 21 ans quand il réalise ce chef-d'œuvre. C'est incroyable. Et en fait, je l'ai mis parce que c'est une question qui a été trouvée parce que ça m'avait choqué. En fait, quand je l'ai su, ce film est tellement ingénieux dans ce qu'il raconte, mais aussi dans comment il est mis en scène. Et moi, je me souviens d'un plan qui m'avait, mais je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, quoi. Pas à cette époque-là, pas là, pas maintenant, pas comme ça. Moi, quand ils sont en train de prendre la photo pour le journal. Le plan séquence? Bah, en fait, je sais plus si c'est un plan séquence, mais en tout cas, moi, c'était le trucage des gens que tu vois. Dans le journal en photo, et en fait bah, d'un seul coup ils se mettent à bouger et puis c'est le plan voilà dans le journal et tu dis mais bordel, comment c'est possible, j'ai pas vu la transition, t'as beau regarder, ça y est pas, tu vois pas le truc, quoi. Ce qu'il a utilisé, même pour faire le plan séquence, hein, quand oui, tu c'est fou. À quelle époque ça a été fait et le poids des caméras, tout la machinerie. À un moment, il n'y avait pas de grue à l'époque pour les caméras. Non, c'est bien. Il arrive à te faire un travelling, tu sais, ascensionnel. Ascensionnel.
demande comment il fait. Enfin, c'est. Ce gars est. Je veux dire, le mot génie n'est pas galvaudé pour un mec comme ça, quoi. Ah, ouais, bah ouais. Il a révolutionné le truc, mais c'est juste. Parce que c'est clair que c'est un film, tu le regardes aujourd'hui, et puis les gens qui ne savent pas ce que c'est, vraiment, ou ce que ça représente, ou les contraintes qui étaient les siennes quand il l'a fait, vont se dire oui, bon, ben voilà, c'est bien, la caméra monte et elle descend, mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, tout ce qu'il a fait lui, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Alors tu le vois aujourd'hui, oui, on l'a vu plein de fois, tu vois, c'est comme la dernière fois, on a parlé d'un truc, tu vois, on parlait du travelling compensé. Pour exprimer le vertige. Vertige. J'étais la dernière fois, j'étais avec mon petit en train de regarder Tous en scène. Tous en scène, tu sais, c'est un dessin animé. Très bien. Très bien. Et à un moment, ils font un travelling compensé. Putain, c'est un truc de fou, en fait. Dans un dessin animé, ils te mettent un truc qui a été inventé par Alfred Hitchcock pour le film Vertigo et tout. C'est un truc incroyable, en fait, de se dire, t'as des mecs qui ont inventé un truc qui est repris. Mais des dizaines d'années plus tard, en animation, parce qu'on n'a pas fait mieux que ce que ce mec-là a inventé, en fait. C'est d'ailleurs ouf quand il pense. C'est encore plus ouf que ça. C'est-à-dire qu'il recrée le travelling compensé avec un médium. Non, mais voilà, avec un médium où normalement tu ne peux pas le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Le physique fort, tu ne peux pas le faire. Et c'est incroyable. C'est vraiment ouf. Et Tous en scène, très bon film. Le 2, beaucoup moins, mais le premier est très bien. Ah, moi, j'adore. Qui n'a pas joué dans True Romance ? Déjà, je sais qui a joué dedans. C'est déjà pas mal. Val Kilmer, Tim Ross, Brad Pitt ou Dennis Hopper ? Ah, la question de Saligo. Alors moi, à l'époque, c'est pas que moi, quand j'étais plus jeune, je confondais toujours Val Kilmer et Brad Pitt. Ah ouais ? Ouais. Ok. Alors, c'est un film de Tony Scott, écrit par Quentin Tarantino. Ouais. Et c'est Tim Ross qui est dedans. Brad Pitt, il est avec des Rastas, c'est un pote. Dennis Hopper, c'est le père de Clarence. Ouais. Et Val Kilmer, c'est Elvis. En fait, il y a des moments où il croit voir Elvis et il croit parler avec Elvis dans les chiottes. Et du coup, tu vois Elvis en train de faire des gestes à la Elvis, quoi, tu vois. Et il dit toujours un truc du style « Je t'aimerai toujours et pour toujours ». Putain, j'ai exactement le même coffret. Le coffret collector. Ouais. Et du coup, ouais, il jouait donc Elvis. Et c'est moi, j'adore ce film, hein. Vraiment. Hein. Il est vraiment vraiment top. Et je te conseille vivement de le voir si tu l'as jamais vu, Nio. Il est vraiment vraiment chouette. C'est comme ça que s'achève ce quiz. Le suspense est à son comble. On se demande du coup qui va gagner ce quiz. Il semblerait que ce soit Eddie. Merci Mystic Angel d'avoir pris ma place. Merci infiniment. Et je pense que ouais, il y a des quiz. Ça fait plusieurs moments que ça me chauffe. Je me demande si je ferai pas des apéro quiz aussi. Moi je viens. Ah bah, y a pas de problème. En plus, je trouve que c'est très fun. Alors moi, j'utilise ça avec mes élèves. Je sais pas si tu l'utilises du coup avec tes élèves, New. Mais non, je fais mes quiz tout seul moi, sur PowerPoint. Alors moi je l'utilise pas avec mes élèves parce qu'avec les grandes box c'est pas évident. Ah, c'est pas évident. Mais c'est vrai que c'est hyper kiffant puis les gamins sont souvent contents de sortir leur téléphone et puis c'est très ludique, c'est très facile, il y a une petite musique en plus et puis effectivement il y a le podium, tu vois, enfin il y a des trucs très cool à faire. Il y a pas de place pour la triche là. Et il y a pas de place pour la triche. Et surtout tu peux trouver des quiz déjà faits en fait par des gens. Ouais. Donc ça peut être très sympa. J'imagine par exemple qu'il y a un quiz sur le MCU. Oui, mais on a déjà fait avec le Mediavore, on a déjà fait. Et je pense qu'effectivement, il y a moyen qu'on fasse des apéros quiz. Messieurs, c'est la fin de ce live. On est sur une soirée film français et j'étais très content de parler de ça avec vous. J'ai découvert des trucs et je pense qu'on s'est tous fait découvrir. Des films qui nous marqueront et c'est trop top. Ouais. C'est aussi pour ça que ce live existe. Alors, je sais pas si, pour être tout à fait honnête, je sais pas si le mois prochain, je vous en ai pas parlé, je suis désolé. Je sais pas si le mois prochain il y aura émission ou pas, mais bon, me connaissant, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait une quand même. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est sur le polar.
la prochaine? De tout horizon. De tout horizon. Parce qu'au départ, on devait faire polar français. Puis finalement, on a dit, pourquoi se restreindre? On va faire polar, puis on va faire film français. Et par contre, je nous engage tout de suite après cette émission à essayer de trouver un ou deux thèmes supplémentaires. Parce que c'est vraiment cool, par contre, et ça, je suis content qu'on ait trouvé ce rythme, d'avoir du coup le temps de voir les films. Et moi, il y a plein de films que j'avais, entre grosses guillemets, pas besoin de voir pour ce soir, mais que j'ai été très content de voir pour pouvoir en discuter avec vous. Et c'est très cool d'avoir ce temps, ce luxe, d'avoir le temps de voir ces films pour pouvoir en discuter. C'est clair. Mon cher vlogueur, est-ce qu'il y a des trucs dans les tiroirs, des vidéos qui vont sortir, des documentaires, des bandes-annonces, dites-moi tout. Alors j'ai toujours une vidéo sur le feu qui avance plutôt pas mal, mm-hmm. et dont la première partie devrait sortir, parce qu'elle est quasiment bouclée. Ah, on est sur en plusieurs parties. Ah bah là, oui, étant donné que... Celle à laquelle j'ai participé. Exactement, là, on est pour la première, je ne cacherai pas qu'on est aux alentours de 50 minutes. Pour la première partie ? Pour la première partie. Mais j'ai très très hâte. On est aux alentours de 50 minutes, donc voilà, la première partie est quasiment bouclée. Il me reste encore quelques années à brosser, puisque il s'agit d'une rétrospective des films d'ici. Mmh. Films et séries d'ici, voilà, qui sont sortis depuis le Batman d'Adam West, donc en 1966, jusqu'à voilà, la première partie s'arrêtera à la fin des années 90. S'arrêtera aux années 90. Ah, donc ça veut dire qu'on ne parlera pas de Batman 92, donc je serai assurément là pour la deuxième partie. Si, si, on parle de Batman. En fait, on s'arrête au Batman Val Kilmer et Ah d'accord, ok. Ouais. En fait, j'ai parlé Batman de 66, les quatre Superman, Supergirl, les quatre Batman donc pré Nolan, mm-hmm. et les séries Wonder Woman et Flash. C'est fait quand même assez consistant. Et je ne pensais pas faire autant de temps. En fait, j'ai découvert plein de trucs et je trouvais qu'il y avait plein de petits trucs intéressants à dire. Donc, quand tu parles de la série Flash, tu parles de laquelle ? La série Flash avec John Wesley. La série Flash des années 90. Oh, putain. Elle est trop bien, celle-là. Elle était incroyable. Qu'est-ce que j'adore. Elle était incroyable. Tu sais que je suis toujours pour parler avec moi-même pour faire un podcast animé dessus. Un podcast Je l'appellerai le podcast pas animé, du coup. Ah d'accord. Bah écoute, moi j'ai. Alors tu sais, alors sache qu'avec avec le collègue Anto Webed, on a regardé le pilote parce que lui il l'avait jamais putain. Vu. Ah putain. Et on l'a regardé ensemble tous les deux, tu sais, privé. Ouais. Et moi j'ai. Ah moi j'adore. J'adore. Je trouve, on se l'est déjà dit. Hein. Bon, je vais me répéter, mais je trouve qu'il n'y a pas plus beau costume en fait. Je le trouve magnifique son costume. On est d'accord. C'est un peu ce côté velours. Incroyable. mais complètement. Ça sent le fantasme, alors peut-être s'arrêter là, les gens nous quittent petit à petit. Et vous, mon cher Nio, où est-ce qu'on peut pas vous retrouver? Comme d'habitude, je ne fais rien, donc ne me cherchez pas. Moi, je ne fais rien de fabuleux, je ne fais pas de vidéos, tout ça, donc voilà. Bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir que tu prennes soin de cette petite parenthèse et que tu viennes avec nous parler ciné. Encore une fois, hein, j'ai souvenir de deux blaireaux qui parlaient très fort dans la salle des profs de... On fait le reste de l'auditoire. De films, et que du coup... non, mais c'est cool de se dire que ça s'est fait au final. Et c'est très, très... Parce que tu as insisté et que tu vas au bout de tes rêves, comme dirait Goldman, et que voilà, et tu as concrétisé la chose. Moi, ça m'a été que moi, je ne sais pas si j'aurais fait juste au bout, mais c'est bien, ouais, on se tient et on en a fait plusieurs. Oui, mais je n'ai pas souvenir que... J'ai trouvé un nouvel outil qui fonctionne, mon téléphone, donc c'est bien. Mais j'ai pas souvenir que tu me dis, ouais, non, je sais pas, attends, je vais réfléchir. Non. Ah, moi, j'avais jamais fait de vidéo, j'avais jamais fait de live, tout ça, donc je m'étais dit, bon. Ouais, c'est pas non plus. Enfin, les gars, il n'y a pas. En tout cas, c'est très cool. C'est très cool, c'est ça. On apporte à quelqu'un.
Quant à moi et mon ami Nico, évidemment, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne susnommée Julien Nico. On fait plein de trucs, que ce soit du cinéma, pas que, du comics. Venez. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, bah, mettez un pouce bleu. Ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous n'aimez pas le cinéma, eh ben, sachez qu'il y a plein d'autres trucs sur lesquels vous pourriez aller, notamment du podcast animé, mais pas que, puisqu'il y a du Rencontre du Deuxième Type ou du débrief, puisqu'on fait des débriefs séries. Gros bisous au chat qui a pu être là ce soir et puis à tous ceux qui pourront écouter au gré de leurs aventures youtubesques cette émission. Gros bisous, ciao ciao, ciao Mystique, merci d'avoir participé au quiz. Et la meilleure. Yeah. Bisous. Ciao.